Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Théo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici, on lisait Le Sanatorium au Croque-Mort de Bruno Schulz. Et ce soir, nous en sommes au quatrième épisode, si je ne m'abuse. Nous lirons deux nouvelles, deux nouvelles au programme du soir. La nouvelle La Morte-Saison et la nouvelle éponyme du recueil. Donc, vous l'aurez compris si vous savez ce que veut dire éponyme. Euh, la nouvelle est également nommée le sanatorium au croque mort. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, chers amis, pas de problème. Vous pouvez voir dans la barre de lecture de la vidéo ou directement dans la description de cette vidéo euh, les timecodes, le chapitrage, vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement où bon vous semble. Puisque oui, ce soir, il y aura quelques petites pauses. Euh, de ce que j'ai pu euh, voir en amont, de ce que j'ai pu checker rapidement, je pense que je ferai deux pauses ce soir. Euh, je pense que dans un premier temps, je lirai la nouvelle La morte saison d'une traite dans son intégralité. Euh, ce qui nous fait une vingtaine de pages, donc je pense euh, entre 30 et 40 minutes de lecture, un truc comme ça. Et ensuite, la nouvelle Le Sanatorium au Croque-Mort qui est un petit peu plus longue. Euh, je pense qu'on fera deux fois... 15 pages. C'est à peu près ce que j'avais calculé, je crois. Donc voilà, vous êtes à peu près au courant, les amis. Euh, maintenant, je vous laisse euh, avec euh, ces timecodes entre les mains pour faire comme bon vous semble. Mais, dans un premier temps, comme d'habitude, vous le savez, s'il y a rediffusion, ça veut dire qu'il y a diffusion. Et, en effet, nous sommes en live sur Twitch. Donc, comme d'habitude, je vais laisser au, le temps aux gens qui voudraient suivre la, la, la lecture en live d'arriver. Euh, et pour ce faire, je vais procéder à une petite introduction de 5, 10, 15 minutes où on va un petit peu discuter ensemble, où on va un peu parler avenir de la chaîne, où on va un petit peu parler euh, news, nouveautés, n'est-ce pas, n'est-ce pas Et il y a pas mal de choses à dire, euh, on va s'y plonger rapidement, mais tout d'abord, merci Wolverine pour ton follow, yeah Ça me fait extrêmement plaisir, en plus t'as follow vraiment juste avant que je n'entame le live, et euh, je t'ai déjà croisé. je t'ai déjà. Ah. Je reprends. Je t'ai déjà croisé chez notre amie Cora, donc ça me fait très plaisir, Wolverine, que tu aies zioté un petit peu ma chaîne. Donc merci à toi pour le follow, encore une fois. Je vous invite tous à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, chers amis, et surtout à passer un agréable moment en ma compagnie pendant cette petite partie de lecture. Santé à tous. Et nous avons ce soir. La pétillante, la fringante, que dis-je L'époustouflante, petit poulpe dissident. Euh, bonsoir, petit poulpe, merci de passer faire un coucou, ça me fait plaisir. Au pire, je reste comme ça, je m'endors en t'écoutant une petite histoire avant de dodo avec ta douce voix. Oh Trop mignon euh, bah merci, petit poulpe dissident, et ça me fait plaisir de te voir encore une fois. Donc, euh, première place, euh, mets ta tête sur l'oreiller et je m'en vais te, te bercer de ma tendre voix, comme tu dis. Euh, bien, 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 chers amis, euh, l'heure est grave. Je vous ai annoncé des tonnes de choses mardi et il y a pas mal de choses qui ont été chamboulées. Alors, je vous avais prévenu hein, que c'était pas encore sûr à 100%, etc. etc. Euh, le mieux, de toute manière, pour être euh, prévenu en temps et en heure d'un maximum de choses, je dirais que c'est Discord. Ensuite, ça serait plutôt Facebook et Twitter, euh, parce que c'est sur ces réseaux-là que je vais vraiment mettre à chaque fois euh, le fait que je sors une rediffusion et le fait que je vais en live. Et euh, notamment le lundi, sur Facebook, Twitter et Discord, je mets le programme de la semaine, et en général, quand je mets le programme de la semaine, c'est que je suis à peu près sûr des lives que j'annonce, euh, sachant que... Il y, a toujours, euh, il y a toujours la possibilité que des lives supplémentaires se glissent ou qu'il y ait des imprévus, mais bon, comme dans n'importe quel domaine, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà, euh, voilà, c'est les moyens pour rester le mieux connecté, j'ai envie de dire. Euh, à savoir donc que je vous avais donné le programme jusqu'à la fin de saison et que le programme de fin de saison a un chouillage changé. Donc, je m'en vais vous refaire le listing complet, comme ça vous êtes au courant en temps et en heure de ce qui est prévu à ce moment précis et qui, normalement, ne devrait plus bouger. Ce soir, lecture Le Sanatorium au Croque-Mort. La semaine prochaine, pareil. Mardi et vendredi à 21h. On continue et on termine la lecture de ce recueil de nouvelles euh, parce que j'aimerais le terminer avant la pause hivernale. Ça serait bien, ce serait sympathique. Avant la, la pause de fin d'année, des fêtes de fin d'année. Euh, donc voilà, ça, vous êtes au courant... Tous les rendez-vous lecture jusqu'à la fin de la saison sont maintenus. Ensuite, ce dimanche a lieu le dernier live de découverte de l'univers de League of Legends de la saison. Ça aura lieu à 15h comme d'habitude et ce sera un épisode sur Bilgewater et sur le champion Gangplank. Euh, donc voilà, ce ça sera, ça sera le dernier épisode de la saison pour cette série. Mais il y a encore tout un tas de choses, car pas plus tard que demain... Dis donc, c'est incroyable. Euh, pas plus tard que demain, on passera de l'autre côté de la lecture. On passera du côté écriture, puisque euh, je vous viendrai avec une édition un petit peu spéciale de mon émission Ça me rappelle une histoire. Donc, demain, samedi, à 21h, sur la chaîne, un Ça me rappelle une histoire, thème écriture, avec des règles un petit peu réinventées pour l'occasion, où, grosso modo, ça va être un espèce de défi, un espèce de, de truc un petit peu chelou, expérimental, où mon but va être. Je vais essayer, je vais tout donner pour, c'est pas sûr que ça se fasse, mais bon, c'est le but du côté expérimental, on n'est pas sûr de comment ça va finir. Euh, mais j'aimerais avoir écrit une nouvelle en votre compagnie et sur aussi la base de vos suggestions et, et d'improvisations qu'on pourrait avoir ensemble, entre guillemets, euh, dans la soirée. Donc voilà, ça va être le petit défi d'avoir un texte qui, qui se tient, qui est cohérent, terminé à la fin de la soirée. Ça me paraît... Très très difficile à tenir comme, euh, comme Paris. Mais bon, on tentera la chose. Voilà, voilou pour cette semaine. Cette semaine est bouclée. Vous savez qu'il y a encore un live demain, encore un live dimanche. La veillée du dimanche sur Discord, comme tous les dimanches. D'ailleurs, il y a des chances que ce soit la dernière veillée de l'année euh, également. Euh, ça, ça dépendra. J'en reparlerai éventuellement sur les réseaux. Parce qu'il est possible que je perpétue d'éveiller euh, pendant, euh, pendant que je suis en pause de live. Euh, je ne sais pas encore exactement comment ça va se goupiller, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, voilou pour tout ce côté-là, pour toute cette semaine. Et du coup, ça nous amène au programme de la semaine prochaine. Lecture mardi-vendredi 21h, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, en fin de semaine, un petit bouleversement, puisque, en fin de semaine, le dimanche... Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de veillée le dimanche d'après. Le dimanche 20 décembre à 20h30, normalement si tout se passe bien, on croise les doigts, premier épisode de mon jeu de rôle nommé Terres Hostiles avec euh, mes chers invités, mes chers joueurs, que j'ai déjà annoncé en, en petite partie, non en grande partie, puisque j'ai déjà annoncé que parmi jeu, mes joueurs se trouverait euh, Mirani, se trouverait également Jumpy, et se trouverait également, et je le vois dans le chat, le Jérôme légendaire, le Jérôme légendaire, voilà je ne l'avais pas encore annoncé, le Jérôme légendaire, le petit, euh, le petit dernier, entre guillemets, de la, de la, de la fratrie de joueurs, n'est-ce pas euh, Donc euh, merci Jérôme d'être là ce soir et merci de, de nous honorer de ta présence pour mon jeu de rôle, ça me fait très plaisir. Euh, voilà la petite bande est au complet, cette fois-ci il n'y aura plus de surprise. Euh, vous savez que le jeu de rôle Terre Hostile devrait démarrer. Dimanche 20 décembre à 20h30, avec moi en tant que maître du jeu, le Jérôme Légendaire, Mirani et Jumpy en tant que joueurs. Et puis, euh, et puis euh, ça sera déjà pas mal. Je rappelle que le titre, c'était hostile. Je rappelle, je crois l'avoir déjà glissé de ci de là, que grosso modo, le, le thème sera un thème science-fiction. Pour ceux que ça intéresse, voilà d'avoir un peu des infos comme ça au préalable. Mais je préfère pas trop en dire pour que vous découvriez totalement l'univers le jour J. Euh, et puis on est bon là-dessus. Et donc j'avais dit jusqu'alors que je m'arrêterais euh, le 20 décembre pour cette saison de cette année. J'ai revu mes plans. On s'arrêtera le 21 parce que du coup euh, j'ai décalé le jeu de rôle par rapport à ce que je pensais à la base et ainsi de suite. Bref. Je vais pas revenir sur les décalages, les anciennes dates, etc. pour pas encore plus vous embrouiller. Vous voyez comment je fais bien le serpent avec ma main. Euh, mais du coup, le dernier live a priori devrait arriver, non pas le 20, mais le 21. Donc lundi 21 à 21h. Dernier live de la saison sur la chaîne Planétéo qui sera un mini-concert. Euh, mini-concert acoustique, guitare acoustique chant. Et euh, encore une fois, c'est un peu de l'expérimentation parce que voilà, j'avais dit que je ferais ça cette année. Je tiens à tout prix à le faire cette année. Peu importe la qualité finale, au bout d'un moment, il faut se lancer pour apprendre aussi. Donc voilà, le but c'est de se lancer et de voir ce dont on est capable. Et puis, euh, et puis de peut-être se prendre à gadin, mais revenir plus fort après et meilleur après. Donc, euh, donc voilà, il y aura 10 chansons. Euh, J'en ai déjà fait le tease euh, beaucoup, beaucoup. Donc je sais pas si je refais le tease, mais grosso modo sachez que ça sera beaucoup dans... Là j'ai vraiment focus ce que je préférais à titre perso. Donc il y aura beaucoup de pop punk, de punk rock, de pop-rock, euh, voilà, un petit peu ce style-là. Désolé, j'ai beaucoup de mal à me focus ce soir sur le chat et, et à parler en même temps, etc. Enfin, j'ai l'impression d'être un petit peu dissipé pour être franc ce soir. Je vais essayer d'être bien focus dans ma lecture, mais sur l'animation globale du, du live, j'ai un peu du... Je sais pas, j'ai l'esprit qui vagabonde. Euh, en tout cas, bonsoir les couteaux-portes, merci de nous rejoindre également. Bonsoir le Jérôme Légendaire, comme je le disais tout à l'heure. Euh, il dit ça, mais après quand il va être en manque de Mangus pendant les vacances, il va venir en MP. Alors j'avoue que Mangus, le teaser, enfin la vidéo teaser qui a été montrée hier en date de mon anniversaire, hein, voilà, c'est un signe du destin. Je dis ça, je dis rien, euh, puisque euh, je suis champion de Mangus. <laughs> Excusez-moi, euh, mais c'est vrai que la nouvelle map de Mangus me hype à l'infini. En plus, elle propose des mécaniques. Ou euh, lorsqu'on jouait justement lors des veillées, j'avais dit ⁇ putain ça serait ouf qu'ils fassent ça !⁇ Et ils l'ont fait. Donc ça fait trop plaisir. Euh, donc du coup, ouais, je, je, je suis méga épais pour cette annonce et j'avoue que euh, ça va être difficile. La veillée, c'est devenu vraiment un petit rendez-vous euh, rendez euh, hebdomadaire. Et euh, ça va devenir difficile maintenant de, de se passer de ces petites soirées de discussions et de jeux en votre compagnie, cher viewer. Um... Ok, je pense avoir analysé tout le chat. Je pense qu'on va pouvoir passer en mode lecture, en mode focus. Faut vraiment que je me focus. Santé à tous, je l'ai déjà dit, je crois, mais bon, vous voyez à quel point je suis pas focus. Et je vais focus un maximum. J'ai beaucoup trop de fois dit le mot focus. Ça me fait penser à la scène dans Yes Man avec Jim Carrey. Quand il a bu trop de Red Bull. T'as déjà bu du Red Bull J'ai jamais bu de Red Bull. J'ai bu du Red Bull. Tu vois du Red Bull On voit du Red Bull. J'adore le Red Bull. Euh, bref. On est-y par. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, les amis. Bonne écoute, le Jérôme Légendaire. Bonne écoute, l'écoute aux portes. Bonne écoute, petit poulpe dissident. Mais également, bonne écoute à tous ceux qui sont là dans l'ombre du live Twitch. Ça me fait plaisir que vous soyez là, même si vous discutez pas, il n'y a pas de soucis. Et puis, euh, bonne écoute également à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Comme je le disais. La morte saison, nouvelle que je lis dans son intégralité sans m'arrêter. On en a pour bien 30-40 minutes, je pense. A tout à l'heure, les amis! La morte saison. 1 À 5 heures du matin, matinée rutilante d'un soleil précoce, la maison baignait déjà dans l'ardente et silencieuse clarté de l'aube. En cette heure solennelle où personne n'épit, tandis qu'à l'abri des stores clos courait encore par les chambres la respiration fraternelle des dormeurs, toujours l'immeuble entier entrait dans le brasier silencieux de sa façade, modelée, aurait on dit, de paupières fermées sur la suavité des songes. Profitant du répit de ces heures fastes, évanouie de lumière, la maison, de sa face béatement assoupie, de tout l'enchevêtrement de ses traits tremblants subtilement sous les rêves de l'heure intense, buvait les premiers feux du jour. Ondoyante dans la clarté, L'ombre de l'acacia sur la place venait répéter sur la chaude surface des paupières, comme sur un clavier, sa petite phrase miroitante et toujours la même, aussitôt lavée par la brise, et s'efforçait, mais en vain, de pénétrer jusqu'au vif de ce sommeil d'or. Trait après trait, la toile des stores buvait l'incendie matinal, et s'abîmant dans l'éclat sans limite, ajoutait toujours à son hâle de bronze. À cette heure vierge, impuissante à retrouver le sommeil, père, lourdement chargé de livres, Descendait l'escalier pour ouvrir le magasin, situé au rez-de-chaussée de, de l'immeuble. Il demeurait ainsi debout un moment, immobile, yeux clos, affrontant la puissante attaque du feu solaire. En douceur, la façade ensoleillée l'absorbait jusqu'à l'anéantissement dans sa planitude béatement nivelée et polie. L'espace d'un instant, il devenait un père plat, s'incrustait au mur et sentait ses mains tièdes et vibrantes devenir rameaux, se figer parmi les ornements en stuc de la muraille. Combien de pères à cinq heures du matin, ont à jamais pénétré dans la façade de leur propre maison au moment même où ils finissaient d'en descendre la dernière marche. Combien de pères se sont ainsi érigés en guichetiers perpétuels de leurs portes, mascarons d'or sculptés, la main toujours sur la poignée, le visage décomposé en sillons doucement parallèles, retrouvés plus tard un à un par les doigts caressants de leur fils qui enquêtent les derniers vestiges à jamais fondus dans l'universel sourire de la façade. Mais bientôt, par un restant de volonté, il parvenait à s'arracher du mur, à regagner la troisième dimension, et, homme à nouveau, il libérait la porte ferrée du magasin de son attirail de verrous et de cadenas. Lorsqu'il ouvrait ainsi le lourd battant du portail bardé de fer, l'obscurité muette se retirait d'un pas, reculait d'un empan vers l'intérieur pour se lever avec paresse dans le fond. Fumée invisible émanant des dalles encore humides du trottoir, la fraîcheur de l'aube se tenait timidement sur le seuil, en un filet mince et tremblant. Tout au fond, parmi les pièces d'étoffe vierge, reposait la pénombre de tant de jours et de nuits révolus. Rangées coupe sur coupe, elles s'estompaient en tunnels et en voûtes profondes, prolongeant toujours ces mystérieuses errances pour finir, exténuées, au cœur noir de l'arrière-boutique où, lasse de se différencier et saturée d'elles-mêmes, elles achevaient de se dissoudre en une sourde et fantomatique quintessence de drap. Selon rempart de peignets et de cheviottes, père le passait lentement en revue, frôlant du doigt comme les fentes d'une robe, les lisières des grosses pièces de tissu. Les piles aveugles de ses troncs, toujours prompts à la panique, retrouvaient la paix sous sa caresse et se rengorgeaient dans leur hiérarchie drapière. Chaque matin, la boutique se révélait pour père un lieu de tourment et de tracas sans fin. Enfant de ses œuvres, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle avait entrepris de le refouler par une croissance de jour en jour plus implacable, de le supplanter d'une façon aussi menaçante qu'énigmatique. Devant lui, le magasin se dressait, devoir sublime, immense et au-dessus de ses forces. L'énormité de la tâche le remplissait de terreur. Fixant d'un œil d'épouvante une étendue que même sa vie entière, jetée d'un geste sur la balance, n'aurait pu combler, il observait avec désespoir la légèreté des commis leur optimisme insouciant et badin, leurs manipulations aussi espiègles qu'irréfléchies, et toujours parfaitement en marge de la cause. Non sans une amère ironie, il persistait à scruter ces jeunes visages que le souci ne trouble guère, ces fronts que jamais la pensée n'entame. Il se plaisait à sonder, et jusqu'à la rétine, ces yeux dont pas même l'ombre d'un doute n'effleure l'innocente confiance. Qui pouvait ma mère, si loyale et si dévouée qu'elle fût, pas le moindre reflet de la cause n'arrivait à toucher son âme simple, jamais menacée, nullement destinée d'ailleurs aux tâches héroïques. Imaginait-elle vraiment qu'il ne la voyait pas Échangeant avec les commis de furtifs regards d'intelligence, ravie qu'elle était de ces minutes de répit où elle trouvait le loisir de prendre part à leur insipide clownerie De cet univers d'insouciance, père se retranchait d'un geste catégorique, pour fuir au sein de la dure règle de son ordre. Terrifié par la dissolution qu'il voyait régner alentour, il en était venu à se cloîtrer dans le sacerdoce solitaire d'un idéal sublime. Jamais sa main ne relâchait des rênes maintenues avec toute la vigueur requise, jamais il ne se permettait de desserrer la discipline, ni de recourir à de commodes facilités tout juste dignes de messieurs Balanda et compagnie, ou autres dilettantes de la corporation, ignorant tout de la soif de perfection et de la cesse inséparable de la haute maîtrise. Et de la cesse, pardon, et de la cesse inséparable de la haute maîtrise lui, considérait avec chagrin le déclin du métier. Dites, qui donc, parmi la génération nouvelle des drapiers, se rappelait les nobles traditions d'un art centenaire? Qui donc, parmi eux, savait encore que, rangées sur les rayons selon les règles de l'art, les piles découpes de tissus devaient à l'interrogation du doigt qui les parcourt de haut en bas répondre par un arpège sonnant comme sur un clavier? Qui encore, parmi ceux d'aujourd'hui, étaient capables de saisir dans toute leur finesse les ultimes clauses de style indispensables à tout échange de messages, de préavis et de mémoranda. Qui enfin appréciait encore à sa juste valeur les charmes de cette diplomatie commerciale née de la vieille école, ce déroulement sévère et complet du marché à négocier, qui allait d'une raideur sans compromis, d'une réserve digne, de rigueur à l'arrivée du fondé de pouvoir de la firme étrangère, par un lent dégel, dû à un à faconde autant qu'aux séductions des diplomates, jusqu'à sa conclusion. Un souper entre hommes, arrosé de vin fin, servi là, sur le bureau, au milieu des documents dépliés. Repas dégusté dans une ambiance solennelle où l'on ne se privait guère de pincer au passage la croupe de la servante Adèle, ni d'échanger en toute franchise des propos libertins, comme il s'y est à ces messieurs qui n'ignorent pas ce qu'ils doivent à l'heure et aux circonstances, et viennent signer un marché conclu à profit réciproque. Dans le silence des heures premières où l'ardeur du jour prenait le temps de mûrir, Père espérait enfin trouver l'éclair d'inspiration qui lui aurait permis de boucler d'un trait heureux son message adressé à la maison Christian Seppel et fils, filatures et tissages mécaniques. C'était une cinglante parade opposée aux prétentions indues de ces messieurs, réplique coupée juste à son tournant décisif, Là où le style allait monter au sommet de sa pointe court circuit étincelle reconnaissable à peine à un demi-frisson intime après la phrase ne pouvait plus que retomber en une péroraison pleine d'élégance et d'envol scellant sans appel le message cette chute toujours attendue perd du doigt en palpait presque le piquant qui seul lui demeurait inaccessible. oui, il ne lui manquait plus que l'instant de bonne humeur et de verve inspiré. Qui lui aurait permis d'emporter l'obstacle toujours dérobé. Chaque fois, sa main allait chercher de rechef une feuille blanche, espérant d'un élan nouveau forcer la difficulté qui, malignement, semblait défier toute tentative. Pendant ce temps et sans hâte, la boutique se peuplait de commis. Ils entraient un à un, vermeil de chaleur matinale, contournant de loin le bureau du patron, lorgnant de son côté, rongé de mauvaise conscience. Plein de souillure et de faiblesse, il sentait peser sur eux le poids d'une réprobation muette, conscient de ne rien pouvoir y opposer. Rien, en effet, ne pouvait ébranler, calmer ce patron confiné dans l'orbe de ses soucis. Nul zèle n'arrivait à fléchir ou à dérider ce chef. Il demeurait là, guetté, tapi, tel un scorpion derrière son bureau, d'où seuls montaient vers nous les reflets venimeux de son lorgnon et, tel le trop menu d'une souris, le sec bruissement de la paperasse. Au fur et à mesure que s'attisait l'ardeur de l'astre, l'excitation de père, doublée d'une colère indéfinissable, allait s'exaspérant. Sur le plancher, le rectangle de lumière flamboyait. Sec, irisé, les temps sabraient de leur trajectoire l'entrée, se posant le temps d'un éclair sur le treillis de la porte, bulle de verre métallique que soufflait, usine de verre de cette journée en feu, le brûlot embrasé du soleil. Vibrant de leur vol véloce, les temps, élytres déployés, s'y fixaient soudain pour reprendre aussitôt le chassé-croisé frénétique de leurs inlassables zigzags. Dans la claire embrasure de la porte, on voyait s'évanouir au loin les tilleuls du parc et la cloche fragile du campanile apparaître dans l'air tremblant, fantomatique et toute proche comme à travers les lentilles d'une longue-vue. L'irritation de Père ne cessait de croître. Douloureusement courbé, épuisé, vidé par la diarrhée, il promenait de-ci, de-là un regard impuissant et remâchait dans sa bouche un goût plus amer que l'absinthe. L'ardeur du jour montait encore, aiguisant la férocité des temps, posant de brèves pointes de feu sur le cuivre bleu de leur corset. Déjà, le rectangle lumineux atteignait le bureau dont les papiers flambaient tel une apocalypse. Aveuglé par la marée solaire, le regard ployait sous cette nappe de blancheur uniforme. Derrière ces épaisses lunettes de couleur, père commence à voir les objets liserés de pourpre, bordés de vert ou de violet, et ne peut supporter cette anarchie exaspérée, cette soudaine explosion sur l'univers de couleurs déchaînées qui déferlent en vagues successives de lumière. Les mains lui tremblent, son palais devient amer et sec comme avant une attaque. Ses yeux, qui ne cessent de guetter par leurs fentes plissées, observent sans ciller le cours des événements en profondeur. 2. Sur le coup de midi, lorsque père, frôlant la folie, maté par la canicule et tremblant d'un bouleversement sans objet, se retirer dans les chambres du haut que, et que, dans le silence, le plafond de l'étage craquait d'un bout à l'autre sous ses accroupissements de guetteurs, sur la boutique descendait l'heure de la détente, et la méridienne commençait. Les commis se livraient à mille gambades. Rebondissant sur les grosses pièces d'étoffe, ils plantaient entre les rayonnages des tentes de serge et ils suspendaient des draperies en forme de balançoire. Déroulant les lourdes coupes de drap, ils en libéraient une pénombre duvetée, centenaires et cent fois mis en plis. Enfin délivré, ce crépuscule de feutre décati par l'âge imprégnait l'espace de parfums anciens, de l'odeur des jours révolus, patiemment empilés en couches innombrables depuis les frais automnes d'antan. Des nuées de mythes aveugles s'éparpillaient dans l'air assombri, des flocons de duvet et de laine voltaient dans la salle, accompagnant ces ténébreuses semailles, tandis que le campement crépusculaire de peluches veloutées s'imprégnait de l'essence automnale de l'après. Bivouaquant au milieu de leur tente. Les vendeurs ne méditaient que tours et espiègleries. Ils se laissaient enrouler par leurs camarades jusqu'aux oreilles, dans les sombres coupes de drap frais, puis restaient ainsi serrés, couchés l'un à, à côté de l'autre, béatement quoi sous les piles, pièces vivantes, momies de textiles sachant tout juste rouler des yeux, et simuler la terreur d'être dans l'impuissance de bouger. Ou bien ils préféraient se faire balancer, héberner, jusqu'au plafond, dans des nappes largement étendues. Le claquement sourd du drap, les rafales brassant l'air en furie, les plongeaient dans un ravissement démentiel. La boutique entière paraissait s'arracher du sol, jaillir au vent à travers ses étoffes ailées. Les commis, basques déployés, s'envolaient en de brèves ascensions, à la manière des prophètes. Mère contemplait leurs ébats drôlatiques d'un regard indulgent, la dissipation des heures de sieste justifiant à ses yeux les pires inepties. Mauvaise durant l'été, et folle, les herbes envahissaient en désordre l'arrière-boutique. Côté cour, face à la remise, la fenêtre verdoyait, infestée de chiens dents et d'orties, aquatiques et miroitantes de tant de lueurs feuillues et de reflets ondoyants. Dans la pénombre torpide des longs après midi de grosses mouches y croisaient, croisaient leur vol vrombissant, comme au fond d'une vieille bonbonne verte. Élevés au vin doux de père, ces ermites velues et monstrueux pleuraient au long des journées leur sort maudit, en d'interminables chansons de gestes. Encline aux brusques mutations, la tribu déclinante des mouches de boutique, fruit de tant d'incestueux croisements, abondait dans spécimens excentriques, elle dégénérait en une surespèce de pesants vétérans atteints de gigantisme, druides taciturnes de leur propre souffrances, dont le timbre de basse descendait jusqu'aux profondeurs de l'éreb. La belle saison finissant, dernier de leur lignée, tous les avortons posthumes et solitaires arrivaient enfin à éclore. Grosse carabées bleues, nés sans voix et avec de pauvres moignons d'ailes, rares mohicans qui arpentaient à l'infini les carreaux verts en d'inlassables errances. La porte, rarement ouverte, se tissait de toiles d'araignée. Retirée derrière le bureau, Mère dormait dans son hamac de draps tendu entre les rayonnages. Harcelés par les insectes, les commis sursautaient brusquement, la figure lézardée de grimaces reflétant les songes troubles de la sieste. Le chien-dent continuait à investir notre cour. Dans le déchaînement de la canicule, le fumier disparaissait tout entier sous des générations d'orties et de bardanes. De la conjonction du soleil et de rares gouttes d'eau de pluie, levait sur ce lopin de terre la vénéneuse substance de l'herbe, décoction querelleuse, dérivée corrompue de la chlorophylle. Fermentant au sein de la chaleur fébrile, cela cuisait, proliférant par étages en formations aériennes, faites de légères feuilles dentelées, festonnées, plissées, mille fois reprises selon l'idée unique incluse dans son essence. Son heure ayant enfin brusquement sonné, le contagieux concept, né des flammes fauves avivées par l'astre, se propageait à l'image même du feu. Il fleurissait sous la fenêtre en des babillages infinis, pléonasmes de papier de soie tout bruissant de, de verdure pacotilles végétales absurdement multipliées. Ce rapiessage viride venait tapisser nos murs de méchant papier peint et s'étaler en plaques frissonnantes toujours plus larges, en couches velues et boursouflées, posant tenture sur tenture. De leur sieste rapide, les vendeurs se réveillaient en sursaut, les joues en feu. Ils se relevaient de leur lit, pleins d'un trouble étrange, l'esprit fébrilement agité par des envies de risque, échafaudant d'héroïques pantalonnades. Rongés d'ennui, battant du talon la mesure. Il se balançait sur les rayonnages et, ne rêvant que plaiser bosse, scrutait en vain le large vide de la place, balayé à blanc par la canicule. Il arrivait alors que, vêtu de bure et pieds nus, un vieux rustaud venu droit de sa campagne s'arrêtait, hésitant sur le pas de la boutique, et risquait un coup d'œil timide à l'intérieur. Quelle aubaine pour nos vendeurs qui se morfondaient d'ennui Tels des araignées au signal de la mouche les voilà dégringolant du haut de leurs échelles aussitôt entourés, poussés, tirés, houspillés, ployant sous une grêle de questions. Notre colasse essayait avec un sourire gêné de tenir tête à tant de sollicitations importunes. Il se grattait l'occiput, continuait à sourire tout en fixant d'un œil méfiant ces beaux angeleurs, ces beaux angeleurs qui le pressaient. Alors, c'est du tabac que vous vouliez Et lequel Du supérieur sans doute, qualité égyptienne ou turque, jaune d'or ou ambre Non, du tout. « Un paquet de gros gris, alors Du caporal ordinaire, quoi Du simple scafer, scaferlati à rouler, et voilà tout Mais approchez-vous, voyons, oui Un petit peu plus près, là Faut pas avoir peur, comme ça !» À coups d'inoffensifs orions coupés de compliments, les commis parvenaient à le diriger vers le fond du magasin, devant le petit comptoir qui flanquait le mur. Étant passé derrière, l'un d'eux, c'était Léon, s'essoufflait à vouloir ouvrir un tiroir imaginaire. Ce qu'il peinait, le pauvre... Et de se mordre les lèvres au milieu de tous ces vains efforts. Mais non, il fallait s'y prendre tout à fait autrement. Et ils tapaient tous comme des sourds sur le bois du coffre. Appelé à la rescousse, le rustre s'attaquait de bon cœur à la besogne avec concentration et gravité. Peine perdue. On le hissait alors sur le comptoir où, tout recourbé, ses cheveux gris au vent, il se mettait de ses talons nus à piétiner, à frapper la table en cadence. Nous en mourions de rire. C'est à l'un de ces moments-là que se produisit le lamentable incident. Qui nous emplit tous de chagrin et de honte. Aucun de nous, certes, n'était innocent, encore que personne n'eût agi de mauvaise foi. Il y avait là plutôt légèreté de notre part, manque de sérieux et défaut de compréhension pour les hautes préoccupations de père. Étant donné son tempérament, aux réactions incalculables, forcenées et toujours portées aux extrêmes, ce fut hélas notre imprévoyance qui poussa l'affaire jusqu'à ses conséquences fatales. Tandis que, formant demi-cercle autour du paysan, nous nous en donnions à cœur joie, Père se glissa à pas feutrés dans la salle. Nous laissâmes passer l'instant de son entrée et ne l'aperçûmes qu'au moment où la brusque compréhension des faits, le perçant tel un éclair, vint soudain déformer ses traits jusqu'au paroxysme d'une horreur indicible. Déjà, mère accourait, frappée d'épouvante. Qu'avez-vous Mais qu'avez-vous donc Qu'avez-vous donc, Jacob criait-elle sans souffle, essayant au comble du désarroi de le calmer d'une tape dans le dos. Comme pour une personne qui vient d'avaler de travers. Trop tard, hélas. Le poil hérissé, Père se dressait déjà de tout son long. Par coups violents, sa figure se décomposait en couches symétriques, suivant les lignes de son épouvante. Il muait tout entier, là, devant nos yeux, sous le poids d'un concevable désastre. Avant même que nous ayons pu comprendre ce qui lui arrivait, il se mit à vibrer et vrombir intensément. Puis s'en voilà sous nos regards, grosse mouche velue, monstrueuse dans son corset bleu acier, insecte qu'un vol dément lançait à tort et à travers contre toutes les parois de la boutique. Émus jusqu'au fond de l'âme, nous écoutions le lamento sans espoir, la plainte sourde mais éloquemment modulée qui, là-haut, sous les vieilles solives du plafond, parcourait le registre complet d'une souffrance insondable et sans remède. Nous nous tenions là, consternés abîmé de honte en présence de ce triste avatar évitant de nous regarder dans les yeux au fond du cœur. nous n'éprouvions que soulagement et gratitude de ce qu'il eût quand même su trouver à l'instant critique une issue à l'innommable déconfiture qui venait de l'accabler. Nous admirions l'héroïsme intransigeant qu'il avait jeté à corps perdu dans cette impasse du désespoir sans recours ni retour au demeurant il convenait de considérer le geste de père. cum un acte à usage plutôt interne, une démonstration qui, violente certes et désespérée, n'avait pourtant disposé que d'une dose infime de réalité. Gardons-nous de l'oublier. Presque tout ce que nous vous racontons là. Pardon. Gardons-nous de l'oublier. Presque tout ce que nous vous racontons là, on peut le porter au compte des mirages et aberrations de l'été, de cette semi-réalité caniculaire des gloses marginales qui fleurissent sans garantie aucune le long des lisières de la morte saison. Nous tendions l'oreille dans le silence. Ah, quelle vengeance de père, quelle revanche raffinée sur nos consciences! Dorénavant et sans appel, nous étions condamnés à toujours entendre le lugubre bourdon, la basse plainte de plus en plus douloureuse, de plus en plus pressante, qui soudain s'interrompait net. Un instant soulagé, nous goûtions jusqu'à l'épuiser le silence, la trêve bénie qui déjà faisait naître dans nos cœurs de timides soupçons d'espoir. Mais non! Cela reprenait bientôt dans la désolation, sans cesse plus exaspéré et plus plaintif, et nous venions à comprendre qu'une telle douleur sans rivage, vrombissant dans sa noire solitude, semblait à jamais condamné à se débattre au milieu de la pire errance, qu'une telle malédiction ne pouvait nulle part trouver terme ni limite. Sourd à toute persuasion, son gémissant soliloque étant ponctué de répit, Père paraissait s'oublier un moment pour aussitôt redoubler de sanglots, d'autant plus véhément qu'il reniait la brève accalmie, et cela nous irritait plus qu'on ne saurait dire. Une telle marée de souffrance, cloîtrée dans l'opiniâtre circuit de sa manie, une douleur qui se flagelle elle même avec cette frénétique cruauté, tout cela finit par devenir proprement intenable pour les témoins impuissants de la catastrophe. Cet appel incessant et furieux à notre pitié ne pouvait bien sûr que traduire un reproche, et venait même accuser par trop brutalement notre bien-être pour ne point nous révolter. Nous y ripostions, du moins en esprit en es du moins en esprit, et la colère, au lieu du repentir, abreuvait nos cœurs. N'avait-il vraiment pas trouvé d'autre issue que d'aller ainsi s'abîmer en aveugle, dans cet état aussi lamentable que sans espoir Et, s'y si, étant déjà plongé, par sa faute ou par la nôtre, ne gardait-il plus assez de ressort ou de vaillance pour pouvoir le supporter sans une plainte Mère ne réprimait qu'à grand peine sa colère. Juchée sur leurs escabeaux, les commis, eux, ne rêvaient plus que sang et massacre. Une tapette de cuir en main, ils couraient en pensée les plus hauts rayonnages et leurs regards se voilaient d'une buée rouge. Surplombant le portail, le vent de toile ondoyait, incandescent de soleil. Dévastant le monde, l'ardeur méridienne gagnait par bond de sept lieues la blancheur infinie de la plaine, et là-haut, sous les poutres noircies, dans le clair-obscur de la boutique, père virait et tournoyait, pris sans rémission au réseau de sa propre course. Affolé de girations, s'empêtrant dans les zigzags effrénés de son vol. 3. En dépit de toute apparence, les épisodes de ce genre n'ont guère de portée en soi. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler que, le soir même, comme à l'accoutumée, Père était en train de travailler à son bureau. L'incident semblait clos, le choc douloureux surmonté et effacé. Nous nous abstenions bien entendu d'y faire allusion plongé dans un équilibre apparent, dans une contemplation qui paraissait sereine, nous le regardions couvrir une page après l'autre de sa belle écriture égale. En revanche, les traces de la compromettante personne du pauvre rustre ne se laissaient point supprimer sans mal. L'on sait avec quelle ténacité, pour peu que le terrain s'y prête, peuvent s'enraciner des vestiges de ce genre. Au fil de ces semaines vides, nous faisions tous un peu exprès de l'oublier, lui qui continuait de jour en jour plus infime et plus gris, à danser là-bas sur un coin obscur du comptoir. Déjà à peine perceptible, il persévérait, soutenant sans arrêt fidèle à son poste. L'échine courbée, son bon sourire collé aux lèvres, il y allait de son toc toc inlassable, guettant quelque chose avec attention et se parlant tout bas. Cognière avait fini par devenir sa véritable vocation. Il était en train d'y sombrer sans recours. Nous ne le rappelions même plus. Il était engagé déjà bien trop loin pour qu'on eût seulement une chance de l'atteindre. Les jours d'été n'ont guère de crépuscule. Avant même qu'on s'en aperçût, la nuit était sur le magasin. On allumait la grande lampe à pétrole et la chose boutiquière se poursuivait. Valait-il même la peine, par ces brèves nuits de solstice, de rentrer se coucher Les heures s'égrenaient dans le noir. Père, abîmé dans une trompeuse concentration, demeurait assis. Et des touches légères de sa plume émaillaient les marges de son courrier d'astérisques filant d'un beau velours noir. farfa gorgé d'encre, sigle duveteux vibrant et ratique dans notre champ de vision, molécules d'ombre détachées de l'immense nuit de juillet qui s'ouvrait là à notre porte. Dehors, veste de loup noir, la nuit éparpillait au hasard ses sombres semis, faisait pleuvoir dans l'ombre profonde tout un microcosme de ténèbres, efflorescence contagieuse de tant de nuits d'été. Et sur Père, que ses lunettes aveuglées, la grande lampe semblait planer tel un brasier liseré de zébrures d'éclairs. Rongé par l'impatience, tout oreille, il n'en finissait pas d'attendre, fixant la candeur éclatante du papier que venait, noir poussier stellaire, largement baigné la marée ombreuse des galaxies. Derrière le dos du patron, sans sa participation apparente, se déroulait la partie cruciale dont le magasin formait l'enjeu. Elle se jouait, chose étrange, sur le tableau même qui, suspendu derrière sa tête entre le placard à casiers et la glace, réverbérait la clarté de la lampe à pétrole. Tableau talisman, toile indéchiffrable, il s'agissait là d'une véritable énigme, interprétée sans trêve et léguée d'une génération à l'autre. Que représentait il au juste? Une discussion, une controverse menée depuis des siècles et à l'infini, un long procès jamais tranché, qui opposait deux principes deux négociants s'y si affrontaient, deux thèses et deux mondes. J'ai vendu à crédit, vociférait le maigre, ahuri, couvert de haillons, et sa voix se brisait de désespoir. Moi, j'ai vendu content, répliquait de son fauteuil le gros, jambes largement croisées, se tournant les pouces sur son gros ventre. Ah. La haine tenace que Père vouait au gros. Bien sûr, il les connaissait tous les deux, et depuis l'enfance. Dès les bancs de l'école, comme il lui semblait égoïste, et répugnant le garçonnet obèse qui engloutissait au long des récréations une incroyable quantité de petits pains au beurre. Père ne s'en solidarisait pas pour autant. Pardon, père ne s'en solidarisait pas pour autant avec le maigre. Avec stupéfaction, il regardait l'affaire, ravi par les deux adversaires, lui filer entre les doigts. Retenant son haleine, son strabisme figé derrière son lorgnon mis de travers, Père, profondément affecté, hérissé d'angoisse, guettait le résultat. Le magasin, lui, était impénétrable. Il s'affirmait comme la fin dernière de toutes les pensées, des vigiles nocturnes, des investigations épouvantées de père. Inconcevable dans son essence et sans limite, il durait, universel et crépusculaire, en deçà de tout événement. Pendant le jour, empreinte d'une componction patriarcale, les lignées drapières reposaient en paix, mises en rang et plis selon le droit d'aînesse, à l'image des générations et des descendances. Mais, sitôt la nuit rompant le rang, la noire essence du tissu se rebellait pour assaillir le ciel de ses longs solos mimés, de ses vastes improvisations lucifériennes. Sortant de son lit, la boutique entière, bruissante d'automne, se déversait telle une rue, gonflée du ténébreux assortiment d'hiver, comme si, par hectares entiers, les hautes futées s'étaient mises en marche, formant un grandiose et frémissant paysage. Mais, à la belle saison, saison morte, elle revenait s'y retremper dans la nuit et reculait en grognant au sein des ombreuses réserves, retranchées, inaccessibles au cœur de cette jungle d'étoffes. Au long des veillées, les commis, se servant de leur maître comme de fléau, cognaient la sourde muraille des coupes, écoutant avec anxiété le magasin hurler toute la douleur de ses entrailles, murées maintenant dans son tréfond de fauve doublée de draps. Ses marches épaisses de feutre, père les descendait en silence pour s'engouffrer dans les limbes des généalogies. Au fond des âges. Dernier de sa race, c'était lui l'atlas chargé de supporter sur ses épaules le fait de l'immense testament dont il tâchait tout au long des journées et des nuits de saisir dans un brusque éclair la thèse et l'essence. Que de fois, lourd d'interrogation et d'attente, son regard se posait sur les vendeurs. Sans signe de nulle part, sans voix, privé dans son esprit de toute lumière, il ne désespérait point. Peut-être qu'à ses cœurs naïfs et frais, Sortis à peine de leur chrysalide, viendraient se révéler d'un brusque trait le véritable sens de la boutique, à lui toujours caché. À force de clins d'œil aux il les acculait au pied du mur, eux qui fuyaient son regard et reculaient toujours, hébétés, bredouillant dans leurs troubles les pires inepties. Parfois le matin, s'appuyant sur sa houlette, père parcourait en bon pasteur la foule laineuse et aveugle de ses ouailles, les engorgements houleux formés par tous ces troncs endoyants qui, troupeaux sans chef, venaient bêler à l'abreuvoir. Il remettait encore l'heure où ébranlait son peuple et le conduire, tribu d'Israël chargée de provende, fourmillante et centuplée, à travers la nuit d'orage. À la porte, la nuit était de plomb, sans espace, sans souffle, ni chemin. Au bout de quelques pas, elle s'achevait à tâtons. On piétinait sur cette lisière rapide en somnambule, et les pieds s'enlisaient à force d'épuiser le maigre espace. Cependant, la pensée continuait à planer et à voguer sans entrave, interrogée sans trêve, soumise au feu roulant des questions, engagée sur toutes les fausses pistes de la dialectique nocturne. L'analyse différentielle de l'ombre se déroulait d'elle même. Les pieds finissaient par refuser de vous porter au sein de cette impasse gourde, informe et sans écoulement. Dans le grand silence vide et noir, on restait là, au coin le plus intime de la nuit, debout comme devant un miroir, à savourer des heures, durant, la sensation béate d'un échec seule réduite à elle-même la pensée se dévidait en toute lenteur saturée de tout le poison dialectique le traité abstrait de la nuit caniculaire allait toujours se dépassant lui-même à coups de billets et de feintes minées de syllogismes étayés de part et d'autre par les montants d'une quête patiente tissée d'interrogations à perdre haleine de mille sophismes auxquels il n'est jamais jamais de réponse Repassant l'une après l'autre toutes les coordonnées spéculatives de cette nuit, le traité parvenait, combien laborieusement, à dépasser sa propre philosophie pour regagner, complètement désincarné, le pays des limbes définitives. Minuit avait sonné depuis longtemps lorsque Père, penché sur ses papiers, leva brusquement la tête. Plein d'importance, il se dressa, l'oreille tendue, les yeux écarquillés. Le voilà, annonça t-il, et son visage rayonnait. Allez ouvrir. Mais avant que le commis principal Théodore n'ait eu le temps d'atteindre la porte vitrée barricadée de nuit, l'hôte si longuement attendu apparut sur le seuil chargé de lourds colis et dans toute sa splendeur souriante. Il arborait une belle barbe noire. Ému jusqu'au fond de l'âme, Père accourait, saluant et lui ouvrant les bras. Ils se donnèrent la collade. Un instant, il put nous sembler que noire, luisante, courte sur pattes, la locomotive de son train accostait sans bruit à notre porte. Affublé de la casquette des cheminots, un porteur suivait, coltinant sur son dos une énorme malle. Nous ne sûmes jamais exactement qui était cet invité d'élite. Théodore, il est vrai, affirmait non sans aplomb que c'était là Christian Seipel et Fils, filatures et tissages mécaniques en personne. L'hypothèse n'offrait guère de vraisemblance, et Mère ne cachait pas, quant à elle, ses plus expresses réserves. Une chose pourtant ne faisait aucun doute. Nous avions là, devant nous, un démon de taille, l'un des puissants piliers de l'Union nationale des créditeurs. Un collier de barbe noire fleurant bon encadrait son visage gras, luisant et plein de majesté. Entouré d'un bras déférent par son hôte, l'invité avançait vers le bureau, au milieu des courbettes. Non, ne comprenant pas un mot de l'idiome étranger qu'il parlait, nous écoutions, transis de respect, la cérémonieuse conversation, émaillée de sourires, de regards mi-clos, de tape légère, signe délicat d'une tendre amitié. Ayant échangé les aménités préliminaires, ces messieurs passèrent à l'affaire proprement dite. On étala sur le bureau livres et dossiers, on ouvrit un flacon de vin blanc frais. Un havane odorant au coin des lèvres, le visage ramassé en une grimace de rude satisfaction, il se lançait de brefs mots d'ordre, monosyllabes de secrète entente, le doigt retenant nerveusement un chiffre litigieux avec, tels deux augures, des éclairs de malice dans le regard. Petit à petit, la discussion devenait fiévreuse et l'on ne gardait plus qu'à grand-peine son sang-froid. On se mordait les lèvres, les cigares pendaient, amers et éteints, au milieu des figures subitement déçues ou déjà la l'aversion. On tremblait de rancune contenue. Des plaques vermeilles sous les yeux, Père respirait du nez, ses cheveux se hérissaient au-dessus d'un front où perlait la sueur. La situation s'envenima. S'arrachant de leur siège, les deux partenaires se retrouvèrent debout, face à face, essoufflés, à peine conscients, croisant au hasard les reflets de leurs pince-nez. Saisis de panique, mère, désireuse de prévenir la catastrophe, se mit à calmer père en lui donnant dans le dos de petites tapes implorantes. Voyant une dame devant eux, ces messieurs reprirent leurs esprits et, soucieux de savoir vivre, échangèrent en souriant un grand salut, puis se remirent à la besogne. Sur les deux heures du matin, Père rabattit d'un geste la lourde couverture du grand livre rongé d'inquiétude nous tâchions de deviner à la mine des interlocuteurs de quel côté penchait la victoire la bonne humeur de père nous semblait superficielle et factice cependant que carré dans son fauteuil les jambes confortablement croisées Barbenois respirait dans toute sa personne le plus affable des optimismes d'un geste de libéralité non exempt d'ostentation. il se mit à distribuer des pourboires aux vendeurs factures et documents rangés. Ces messieurs se levaient déjà de table avec des airs pleins de promesses. Cherchant du regard la complicité des commis, ils laissaient entendre leur disponibilité à toute aventure et marquaient un solide appétit de bordée à l'insu de ma mère. Tout cela était pure vantardise. Les commis savaient parfaitement à quoi s'en tenir. Cette nuit ne menait nulle part. Elle finissait là, tout de suite, au bord du caniveau, contre une muraille aveugle d'échecs et de néants. Tous les sentiers y conduisant ramenaient le monde à la boutique. Toutes les expéditions en profondeur avaient, dès le départ, les ailes brisées. Au clin d'œil, les vendeurs ne renvoyaient des clins d'œil que par pure politesse. Bras dessus, bras dessous, Barbe noir et Père quittèrent le magasin plein d'entrain, escortés jusqu'à la sortie par l'indulgent regard des commis. Sitôt la porte franchie, la nuit d'un coup de guillotine leur trancha la tête et ils plongèrent dans le noir comme dans une onde obscure. Qui a jamais sondé le gouffre sans fond de la nuit de juillet? jamais mesuré à combien de brasses on s'enfonce dans cet abîme, ce vide, où rien ne se passe. Ayant sombré et ressurgi ainsi à travers l'infini ténébreux, ils se retrouvaient de rechef à l'entrée de la boutique comme s'ils venaient juste d'en sortir, récupérant leurs têtes perdues avec toujours, aux lèvres, le dernier mot qui n'avait point servi la veille. Ainsi plantés debout, et qui sait pour combien de temps, ils devisaient d'une voix monocorde se donnant l'air de rentrer de quelques gaillardes équipée qui les avaient soudés par la camaraderie nocturne d'un prétendu libertinage du geste nonchalant des noceurs ils rejetaient leurs chapeaux en arrière vacillant sur des jambes molles évitant le portail éclairé ils gagnèrent à pas de loup la petite porte de l'immeuble et se mirent en devoir de gravir l'escalier grinçant de l'étage par la galerie intérieure ils arrivèrent ainsi non sans peine jusqu'à la fenêtre de la chambre d'adèle pour essayer de surprendre la dormeuse il ne parvenait pas à la voir, écroulée dans l'ombre, inconsciente, tête brûlante rejetée sur l'oreiller et cuisses entrebâillées, saisie de spasmes dans l'étreinte du sommeil, fanatique femme lige des songes. Oh Ils pouvaient tambouriner tout leur soule sur les carreaux noirs, voire fredonner des refrains grivois. Un sourire léthargique sur ses lèvres ouvertes, la fille prise dans une roideur cataleptique, voguée, inaccessible et distante sur les pistes de l'inconnu. Alors, renonçant à tout, affalés sur la rampe de bois du balcon, il bâillait à rendre l'âme, tapant du talon contre les barreaux de la balustrade. À une heure aussi tardive qu'imprécise, ils finissaient tous deux, l'on ne sait trop comment, par retrouver dans deux méchants lits leur corps sur un monceau de matelas et de couettes. Esquifs parallèles, ils se laissaient porter par le vif courant du sommeil et se distançaient, tantôt l'un, tantôt l'autre, dans la galopante carrière d'un laborieux ronflement. À une certaine borne de leur course, que le fil du sommeil eût réuni leur corps ou qu'imperceptiblement leurs rêves eussent fini par confluer, arrivés à l'un des carrefours du noir sans espace, ils sentirent que, tout en s'embrassant l'un l'autre, ils s'étaient engagés dans une lutte à garde et sans merci. La respiration lourde, ils s'essoufflaient en efforts stériles. Tel l'ange terrassant Jacob, Barbe Noire était sur mon père. Bandant toutes ses forces, père le serrait entre ses genoux, et tout en voguant au loin dans une sourde et gourde absence, il parvenait à dérober encore entre deux reprises un instant de sommeil. Ainsi combattait ils Pour quel enjeu Un nom Dieu Un contrat Et ruisselant de sueur mortelle, ils tiraient sur leur dernière force, tandis que la vague du sommeil les portait au large, jusqu'au plus étrange quartier de la nuit. 4. Le lendemain, Père boitait légèrement d'un pied. Sa face resplendissait. Juste avant l'aube, il avait enfin su trouver, toute prête, l'étincelante pointe de son message pour laquelle il avait vainement combattu durant tant de jours et de nuits. Quant à Barbe Noire, nul ne le vit plus jamais. Il était parti au petit jour, emportant mal et colis, sans prendre congé de personne. Cette veillée fut la dernière de la morte saison. À compter de cette nuit d'été, notre boutique allait connaître sept longues années d'abondance. Et c'est la fin de la nouvelle La morte saison, traduite par Alan Kosko. On va s'arrêter là du coup pour le moment. Et on passe à une petite pause les amis. Hmm. Délectable. Ça me fait du bien de boire après avoir lu quand même pas mal de temps, l'air de rien. Euh, ouais. Les, les pages de ce. de ce bouquin mettent quand même pas mal de temps à être lues. Donc c'est vrai que dès, que dès que je me mets à lire plus de 15 pages, ça devient très long. Mais bon, j'ai trouvé la nouvelle vraiment sympa. Pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé, à titre personnel. Euh, je la trouve hyper intéressante dans cela qu'elle apporte des touches un petit peu différentes. Euh, alors attendez, je, je change le titre du live pour la nouvelle suivante, et je j'essaie d'organiser mes idées. Euh, alors l'écoute aux portes dit ce passage sur le gros le maigre est déplaisant, on dirait du JK Rolling dans ses mauvais moments. Ah ouais, pourquoi ça, l'écoute aux portes c'est le fait euh, d'employer les mots gros et maigres pour euh, parler de quelqu'un qui te gêne. Euh, et du coup, ouais, sinon moi je trouve que cette nouvelle était assez sympathique. En tout cas, elle m'a plu davantage que les nouvelles qu'on a pu lire dans le live précédent, par exemple. Euh, parce que là, je trouve que on retombe sur des moments de, de poésie très très fort, très très très, très subtil, très bien vu. Euh, même si, justement, c'est bizarre ce que je vais dire, hein. Mais euh, à force de belles images constantes, c'est presque comme si ça devenait trop par moment. Enfin, en tout cas, encore une fois, ça c'est mon ressenti. Je sais que par exemple, les couteaux porte, tu partageais pas forcément ce ressenti-là. Mais euh, c'est vrai que moi, par moment, je suis à la limite de me dire Ah, c'est trop, c'est un peu lourd. Mais c'est vrai que c'est très très poétique, très très beau. Il euh, y a de super belles images, euh, encore euh, pas mal sur les mêmes thèmes. Hein. J'ai l'impression que. Euh, bon, la figure du père, n'en parlons pas, mais j'ai l'impression qu'il euh, a vraiment quelque chose, euh, Schultz, avec les, avec les couleurs, avec, euh, avec le soleil, avec les astres, avec euh, ouais, tout ce qui se rapporte au cosmos, on va dire, dans, son, dans, son, dans sa grande euh, acceptation du mot. Euh, et puis aussi euh, au rêve, à l'onirisme, parce que si je dis pas de bêtises, on a eu quasiment, je pense, je pense qu'on a eu uniquement même des, des nouvelles dans ce recueil où, à un moment ou à un autre, il euh, y a des gens qui dorment et qui rêvent des choses un peu cheloues, ou bien on se rend compte à la fin de l'histoire qu'en fait c'est un petit peu un espèce de rêve, toute la nouvelle et ainsi de suite. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient énormément dans ce recueil. Il euh... y a aussi le thème des saisons, ça j'en ai déjà parlé, c'est vrai que, déjà, rien que par le titre des nouvelles, on se rend compte que c'est un, un leitmotiv, entre guillemets. Euh, parce que voilà, il y a le printemps, la nuit de juillet, l'autre automne, la morte saison. Et, euh, et le truc marrant aussi, c'est que de nouvelles en nouvelles, elles se répondent. Il euh, y, y a des petits liens entre les nouvelles. Et c'était marrant parce que par exemple, dans cette nouvelle, j'ai l'impression qu'on a vu euh, le titre d'autres nouvelles. Euh, dans d'autres nouvelles on avait vu le titre de cette nouvelle donc il y a des échos qui se font et ça, ça crée une, une toile de fond hyper intéressante euh, parce que ces nouvelles qui semblent être des bribes de vie quotidienne un petit peu euh, un petit peu euh, comment on appelle ça je trouve plus le terme désolé euh, mais en tout cas euh, désunies les unes des autres bah en fait non elles sont unies par ces images poétiques elles sont unies par cette par cette année Traversé de tas d'époques et de saisons et de périodes étranges euh, dont, donne le narra enfin, dont le narrateur donne un. et l'auteur donne un. un ressenti très sensoriel. Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que. c'est bizarre ce que je veux dire encore une fois, mais j'ai l'impression que Schultz essaie de décrire des moments. Et je pense que c'est pour ça que on a cette association. De descriptions d'actions très lambda, très quotidiennes. Là, par exemple, la tenue d'une boutique de drap, grosso modo, hein, d'un drapier. Euh, et euh, et des, des, des images complètement hallucinées. Euh, aussi des images éthérées, envolées, un petit peu somptueuses, un petit peu gracieuses comme ça. Il y a vraiment un magma, euh, une fusion de tout un tas de choses pour créer un. Un flou artistique, en vrai, encore une fois, je me répète, c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que sans faire exprès, je reviens sur ce terme pour décrire Schultz. Je trouve que Schultz est... Ouais, Schulz arrive à, à créer un flou artistique, mais un flou artistique cohérent et dans lequel il est agréable de se baigner, quoi. C'est comme si on se baignait dans un, dans un océan de couleurs, dans un océan de sensations, etc. C'est vachement sympa. Alors que, encore une fois, au final, ce qu'il raconte, si vraiment on se tient... À qu'est-ce que c'est l'histoire de ces nouvelles bah, C'est à chaque fois des trucs très lambda, très quotidiens, très ordinaires. Euh, donc c'est vachement sympa. Euh, et sur cette nouvelle, je ne peux pas faire autrement que euh, de me que de me euh... comment dire que de me rappeler, enfin que d'avoir l'impression qu'il a eu certainement une influence sur Schulz de Kafka, parce que je pense que Kafka est antérieur à Schultz, si je dis pas de conneries. Ah, je suis pas sûr de moi là-dessus, mais je pense, je pense, je crois que j'avais déjà lu ça de toute manière. Je ne peux pas, voilà, je ne peux pas faire, euh, faire autrement que de remarquer quand même qu'il y a une assez forte similarité sur cette nouvelle en particulier entre Schultz et Kafka, puisque euh, le fait que Schultz parle un petit peu plus du monde du travail, et des relations au travail, etc. etc. bah ça l'a amené sur des sujets qui peuvent ressembler aux sujets kafkaïens. D'autant que, euh, que Kafka également, dont on a déjà fait la lecture de la métamorphose et euh, du, du château. C'est le château qu'on a lu Ouais, c'est le château, je crois. Et il nous reste à lire le procès, il me semble. Et euh, donc voilà, euh, qui sont euh, disponibles en rediffusion sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas euh... Eh bien oui, euh, Kafka, dans ses œuvres, euh, de la même manière, euh, il fait ressortir un une sorte d'absurde, une sorte de fantastique par l'absurde dans le quotidien. Et là, Schultz a eu une, une démarche assez similaire, je trouve, dans cette nouvelle. Euh, et assez similaire de manière globale. C'est juste que lui, je dirais que c'est pas tellement par l'absurde, mais c'est plus par le merveilleux, quoi. Il y a un peu de ça, je trouve. Euh, mais c'est vrai que la scène de son père, qui se métamorphose en mouche... Euh, en temps même, euh, bah, elle, elle n'est pas sans rappeler la scène de la métamorphose de Kafka euh, avec la transformation en cancrela. Surtout qu'encore une fois, ça, a, ça a trait au monde du travail à la pression que ça peut représenter, etc., etc. Donc, ouais, euh, l'utilisation par Schultz est un petit peu différente, mais quand même, ça, ça fait vachement écho et, et c'est pas déplaisant hein, que ça fasse écho, hein, mais c'est vrai que ça, ça m'y a fait penser pour la lecture. Ouais non vraiment, le sanatorium euh, au croque mort, la morte saison, j'ai je... trouvé la nouvelle plus intéressante que les trois nouvelles qu'on a pu lire la dernière fois. Si je dois être tout à fait franc, je trouve que la nuit de juillet, mon père devient sapeur-pompier et l'autre automne, je les trouve assez anecdotiques, euh... dans mon esprit en tout cas, et dans mon à mon, impréci... à mon appréciation propre. Alors après bien sûr ce sont mes goûts, hein. à chacun ses goûts, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à mon appréciation propre je ne pense pas que ce sera mes favorites. Euh, et je pense qu'elles seront un petit peu euh, rapidement oubliées dans mon esprit. Alors que euh, la mort de saison, je pense que je m'en rappellerai davantage. Et puis, pour être franc, le printemps, j'ai... Il y a des moments très bons, il y a des moments vraiment limites. Donc euh, c'est un peu particulier comme cas. Mais sinon, je dois avouer que pour le moment, c'est toujours les deux nouvelles qui ouvrent le bal, euh, le livre et l'époque de génie que j'ai vraiment trouvé super bonne pour le coup. Donc voilà, il nous reste encore 6 nouvelles à découvrir en tout et pour tout lors des futurs lives de lecture. Donc euh, peut-être qu'on a encore des chances de tomber sur une pépite euh, qui nous euh, remue les tripes. Je vais enchaîner dans quelques instants avec la lecture de la nouvelle éponyme du recueil, le Sanatorium au Croque-Mort. Mais d'abord, je vous lis un petit peu dans le chat. Euh, alors c'était un peu facile le cliché, ce frais, etc. Je ne peux pas ressortir les mots exacts. Ok, d'accord, les couteaux portes, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Euh, J'ai eu un peu plus de mal à suivre comment on passait d'une image à l'autre que dans les autres nouvelles. Euh, bah en fait c'est marrant parce que d'un côté je te rejoins les couteaux portes et d'un côté non. En fait ça, ça, ça dépend un petit peu du moment dans la nouvelle. Euh, J'ai eu le sentiment alors encore une fois, hein, c'est mon... ma perception personnelle, peut-être euh, vous n'aurez pas la même, mais j'ai eu le sentiment qu'au début, c'était vachement complexe. Euh... En fait, justement, c'est là où je disais que euh, je trouvais qu'il y avait une certaine lourdeur dans le style. Dans la première moitié de la nouvelle, je dirais que ça se compte à peu près comme ça. Dans la première moitié de la nouvelle, je trouvais qu'il y avait une certaine lourdeur dans le style. Euh, et que là, la... c'était trop de poésie, entre guillemets, presque. Euh, D'ailleurs... Petite réflexion que je me suis faite aussi pendant la lecture de cette nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de mots auxquels j'ai été assez peu confronté dans ma vie, voire beaucoup de mots que je ne connaissais absolument pas. Donc, euh, j'ai déjà eu cette impression parfois sur Schultz, mais là, beaucoup plus que sur les autres nouvelles. Donc, je ne sais pas si sur cette nouvelle, particulièrement, il a voulu, euh, il a voulu euh, creuser et du coup, employer un vocabulaire un peu plus savant, etc., mais ce qui peut aussi avoir le, le contre-coup de perdre un petit peu le lecteur, on va dire. Euh, ouais, je trouvais que le vocabulaire était un chouïa plus élitiste. Euh, et du coup, je, je dirais que dans la première moitié de la nouvelle, j'avais du mal à suivre. Euh, je trouvais que c'était un peu trop lourd. Dans la seconde partie de la nouvelle, là, j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus dans le, dans le mood. Euh, en fait, quand ils ont commencé à décrire ce qui se passait à la boutique, etc. Il y avait une histoire sur laquelle se fixer, c'était beaucoup plus compréhensible aussi, je trouve, avec ça. Mais euh, ouais. Et sinon, du coup, ça me refaisait penser encore à quelque chose. Ouais, une chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que le nombre. Alors, on le sait, les, les évocations, les images euh, de Schultz sont très fortes. Et là, je trouve qu'il y a des trucs super bien trouvés, encore une fois, sur euh, la manière dont le soleil tombe sur les stores et ainsi de suite. Enfin, il y a des très belles images, il y a des très belles métaphores, etc. Euh, mais une chose qu'il fait beaucoup, beaucoup, que j'ai déjà remarqué pas mal, mais particulièrement dans cette nouvelle, et je sais pas, là pour le coup c'est difficile de savoir, hein, parce que forcément la traduction change un petit peu l'œuvre, donc est-ce que c'est un travail de traduction pour coller au maximum euh, au style euh, original euh, Je ne sais pas, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'allitération et d'assonance, donc un jeu sur les sons. Euh, avec beaucoup de consonnes et de voyelles qui, qui revenaient, et presque même, je dirais, des phrases à, à rimes, presque. Il euh, y avait presque des vers de ci, de là, je trouvais ça vraiment très euh, poétique en fait. Et il euh, et y avait des rythmes qui venaient s'installer des fois aussi, enfin ouais. Ce qui fait que euh, c'est marrant parce que c'est certainement parce que j'ai écouté il n'y a pas longtemps euh, la chanson euh, Yo, Mean one, Mr. Glinch. Mais euh, ça me faisait penser un peu au Dr. Seuss. Euh, du coup, le Dr. Seuss, c'est l'écrivain euh, qui, a, qui a imaginé euh, l'histoire euh, du Grinch. Et, euh, et en gros, il était connu pour créer des textes exprès euh, sur, les, sur les sonorités, quoi. Sur le jeu, sur les sons des mots, et ainsi de suite. Et c'est hyper agréable à écouter, c'est hyper ludique, etc., etc., et j'avais l'impression d'avoir un petit peu cet, euh, cet aspect-là par moment euh, euh, dans, le, dans la nouvelle qu'on vient de lire. Mais ouais, j'ai ai bien aimé cette nouvelle, vraiment. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, euh, je ne pensais pas faire une pause aussi longue dans ma lecture, donc on va tout de suite reprendre. Hmm. Putain que c'est bon, pardon. <laughs> ma boisson est délectable ce soir. Euh, du coup je vais reprendre du coup avec la nouvelle éponyme alors il faut juste que je recheck rapidement j'avais checké où est-ce que je voulais m'arrêter mais je suis plus sûr. Ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc au chapitre 3 je m'arrêterai. Très bien. Donc je crois que du coup je peux pas vraiment faire 15 pages, 15 pages, 15 pages. Sinon je m'arrêterai en plein milieu d'un chapitre. Donc je crois que je vais vous faire 13 et 17 du coup. Et puis euh, bah voilà, du coup je vous reviens dans une grosse vingtaine de minutes à tout cassé, en vrai. Euh, et puis, je te souhaite une bonne écoute, l'écoute aux portes. Je ne sais pas si tu es la seule qui est restée parmi nous. Euh, enfin, bon, bref. Bonne écoute à toi, l'écoute aux portes. Bonne écoute à tous dans l'ombre, dans le doute. Et bonne écoute à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir. Le sanatorium au croque-mort. 1. Le voyage fut long. Sur cette ligne secondaire presque oubliée, où ne roule qu'un train par semaine, il n'y avait que deux ou trois voyageurs. Je n'avais jamais vu de tels wagons, archaïques, grands comme des chambres, sombres et pleins de recoins. Leurs pareils ont été depuis longtemps retirés de la circulation sur les autres lignes. Ces couloirs, qui obliquaient sous divers angles, ces compartiments enchevêtrés, vides et froids, faisaient une impression presque effrayante dans leur étrange abandon. Je passais d'un wagon à l'autre à la recherche d'un coin confortable. Partout le vent soufflait, des courants d'air de glace transperçaient le train de part en part. Ça et là, quelques personnes étaient assises par terre avec leurs baluchons, sans oser occuper les banquettes excessivement hautes. Au reste, ces sièges bombés, couverts de toiles imperméables, étaient glacés et l'âge les rendait gluants. Le train traversait de petites gares désertes et personne ne montait. Il poursuivait sa route sans bruit. Sans coup de sifflet, tout doucement, comme emporté dans un rêve. Pendant un certain temps, j'eus la compagnie d'un homme qui portait un uniforme déchiré de cheminots. Silencieux, plongé dans ses pensées, il pressait un mouchoir sur son visage enflé et douloureux. Ensuite, lui-même disparut. Il avait dû descendre à un arrêt sans attirer mon attention. Il ne resta de lui qu'une trace sur la paille, où il s'était assis, et une mauvaise valise qu'il avait oubliée trébuchant dans la paille et dans les détritus, je continuais à errer de wagon en wagon, les portes ouvertes des compartiments oscillaient sans arrêt. Pas un seul voyageur. Enfin je rencontrai un contrôleur dans son uniforme noir. Il s'enroulait un gros foulard autour du cou et emballait ses affaires, sa lanterne, son registre. On arrive, monsieur, dit il après m'avoir regardé de ses yeux complètement décolorés. Le train ralentit peu à peu sans faire de bruit, comme si la vie le quittait lentement avec le dernier souffle de vapeur. Il s'arrêta. L'endroit était vide et silencieux, sans le moindre édifice. En descendant, l'employé m'indiqua la direction du sanatorium. Valise à la main, je me mis à marcher sur une petite route blanche qui déboucha soudain sur un parc obscur et touffu. J'examinai le paysage avec curiosité. La route conduisait à une éminence peu élevée d'où l'on embrassait un vaste horizon. Le jour était gris, Éteint. Et c'est peut-être sous l'influence de cette lumière lourde et terne que s'assombrissait l'immense paysage sur lequel un décor de forêt s'étendait, lignes de labours et couches boisées qui, de plus en plus lointaines, de plus en plus grises, descendaient à gauche et à droite en pente douce. Tout ce paysage sombre et grave semblait couler de façon imperceptible et glisser comme un ciel chargé de nuages au mouvement caché. Les rubans fluides des forêts paraissaient croître en bruissant comme le flux de la marée qui gagne peu à peu la terre ferme. Au milieu de ces bois obscurs, la route blanche serpentait comme une mélodie, en larges accords, pressée de part et d'autre de puissantes masses musicales qui finalement l'absorbaient. Je cueillis une branche au bord de la route. Le feuillage en était sombre, presque noir, d'un noir étrangement saturé, profond et bienfaisant comme un sommeil réconfortant tous les gris du décor dérivaient de ce noir. C'est la couleur que revêt parfois le paysage chez nous, pendant les crépuscules d'été nuageux et saturés de longues pluies. C'est le même renoncement calme et profond, la même torpeur résignée, revenue de la joie des couleurs. Le bois était obscur comme la nuit. Je marchais à tâtons sur un tapis d'aiguilles de pin. Puis les arbres se firent plus rares et, j'entendis sous mes pas résonner les poutres d'une passerelle. À l'autre extrémité, au milieu de feuillages sombres se dessinaient vaguement les murs gris du sanatorium. La double porte vitrée était, ou était ouverte. C'est vers elle que conduisait tout droit la petite passerelle bordée par des troncs de boulot disposés en barrière branlante. Dans le couloir régnait la pénombre et un silence solennel. J'allais sur la pointe des pieds de porte en porte, en essayant de déchiffrer les numéros. À un tournant, je tombai enfin sur une femme de chambre. Elle sortait en courant d'une pièce, essoufflée et agitée, comme si elle venait de s'arracher à des mains avides. Elle comprenait à peine ce que je lui disais. Je dus répéter. Elle se dandinait sans savoir que faire. Avait-on reçu mon télégramme Elle eut un geste d'impuissance et son regard esquiva le mien. Elle n'attendait que l'occasion de bondir jusqu'à la porte entr'ouverte vers laquelle elle louchait. Je viens de loin et j'ai télégraphié pour retenir une chambre, dis-je avec une certaine impatience. À qui dois-je m'adresser Elle ne savait pas. Vous pourriez entrer au restaurant? dit elle pour faire diversion. Tout le monde dort en ce moment. Dès que monsieur le docteur se sera levé, je vous annoncerai. On dort? Mais nous sommes en plein jour. Chez nous, on dort tout le temps. Vous ne saviez pas? Elle me dévisagea avec curiosité, et ajouta avec une sorte de coquetterie. D'ailleurs, ici, il ne fait jamais nuit. Maintenant, elle n'avait plus envie de fuir, et se tortillait en tirant les fils de la dentelle de son tablier. Je la laissai là. J'entrai dans le restaurant presque obscur. Je voyais des tables et un grand buffet qui s'étendait sur toute la largeur d'un mur. Après un bon moment, je me sentis en appétit. Je considérai avec plaisir les gâteaux et les tartes qui garnissaient les étagères du buffet. Je déposai ma valise sur une des tables. Toutes étaient désertes. Je frappai dans mes mains. Pas de réponse. Je jetai un coup d'œil dans la salle voisine, plus vaste et plus claire. Une large fenêtre ou loggia donné sur le paysage que je connaissais déjà et qui, ainsi encadré, montrait sa tristesse et sa résignation comme un funèbre memento. On voyait sur les nappes les restes du déjeuner, des bouteilles débouchées, des verres à moitié pleins. Il y avait même encore quelques pourboires que les serveurs n'avaient pas ramassés. Je revins au buffet, attentif aux gâteaux et aux pâtés. Ils semblaient des plus appétissants, et je me demandais si je pouvais me servir. Je sentis monter en moi une étonnante gourmandise notamment des sortes de chaussons aux pommes me faisaient venir l'eau à la bouche. J'allais soulever l'un d'eux avec la cuillère d'argent quand je sentis derrière moi une présence. La femme de chambre était entrée en chaussons de feutre et m'effleura l'épaule. Monsieur, le docteur vous attend, dit-elle en s'examinant les ongles. Elle marcha devant moi sans même se retourner, sûre de l'attrait magnétique qu'exerçait le jeu de ses hanches. Elle s'amusait à le renforcer en réglant subit, en réglant subtilement la distance de nos deux corps tandis que nous dépassions des dizaines de portes numérotées. Le couloir devenait de plus en plus sombre. Quand l'obscurité fut complète, la jeune femme murmura en me frôlant. Voilà la porte du docteur. Entrez. Le docteur Gothard m'accueillit, debout, au milieu de la pièce. C'était un petit homme trapu, au poil noir. Nous avons reçu dès hier votre télégramme, dit il. Nous avions envoyé à la gare le coche de l'établissement, mais vous êtes arrivé par un autre train. Les liaisons par chemin de fer ne sont pas des meilleures. Comment vous sentez vous? Mon père est il vivant? demandai je en plongeant un regard inquiet sur son visage souriant. Bien sûr qu'il est vivant, dit il en soutenant ce regard avec calme. Évidemment, dans les limites de la situation, ajouta t-il avec un clin d'œil. Vous savez, tout comme moi, que du point de vue de votre foyer, de votre pays, il est mort. Ce n'est pas complètement réparable. Cette mort jette une ombre sur son existence ici. Mais lui-même ne s'en doute pas demandai-je dans un murmure. Il secoua la tête avec conviction. Soyez tranquille, dit-il d'une voix étouffée. Nos patients ne devinent pas, ne peuvent pas deviner. Le système est simple. Ce disant, il faisait mine de vouloir en démontrer sur ses doigts le mécanisme. Il consiste en ceci que nous avons reculé le temps. Nous le retardons d'un certain intervalle de durée qu'il est impossible de déterminer. Cela se ramène à une simple question de relativité. La mort qui a atteint votre père là bas n'est pas encore arrivée ici. Dans ces conditions, dis je, mon père est mourant, ou presque. Vous ne me comprenez pas, répondit il avec une impatience indulgente. Nous réactivons ici le temps passé avec toutes ses possibilités, y compris celle de la guérison. Il me regarda avec un sourire en se caressant la barbe. Mais maintenant, vous voulez peut-être voir votre père. Comme vous le désiriez, nous vous avons réservé un second lit dans sa chambre. Je vais vous accompagner. Dès que nous fûmes dans le couloir, le docteur Gothard ne parla plus qu'en chuchotant. Je remarquai qu'il avait aux pieds des chaussons de feutre, comme la femme de chambre. Nous laissons nos malades dormir tout leur saoul, dit-il alors. Nous ménageons ainsi leur énergie vitale. D'ailleurs, ils n'ont rien d'autre à faire. Devant une certaine porte, il s'arrêta et mit un doigt sur sa bouche. Entrez tout doucement. Il dort. Couchez-vous aussi. C'est ce que vous pouvez faire de mieux en ce moment. Au revoir. Au revoir, murmurai-je en sentant mon cœur se soulever d'émotion. J'appuyai sur le loquet et la porte s'ouvrit d'elle-même comme une bouche qui s'entrouvre. Désarmé, en plein sommeil. J'entrai. La pièce était grise et nue, presque vide. Sur un petit lit en bois très ordinaire, près d'une étroite fenêtre, mon père était enveloppé de couvertures et dormait. Son souffle, puissant, rejetait du plus profond du sommeil et des couches successives de ronflements. Ces ronflements paraissaient remplir toute la chambre, du plancher au plafond, et il n'en arrivait toujours de nouveau. Je regardais, ému, ce pauvre visage émacié qu'absorbait tout entier le travail de ronfler, et qui, ayant abandonné son enveloppe terrestre, se confessait quelque part sur un autre rivage, dans une transe lointaine. De son existence, dont il énumérait solennellement les minutes. Il n'y avait pas d'autre lit. Un vent coulis, glacial venait de la fenêtre. Le poêle n'était pas allumé. On ne semble pas beaucoup se soucier des malades, pensai je Quelqu'un dans un tel état laissé en plein courant d'air. Et on dirait que personne ne fait le ménage. Une couche épaisse de poussière recouvrait le plancher et la table de nuit où je voyais des remèdes et une tasse de café refroidie. Il y a des masses de gâteaux au buffet. Mais on, ne donne pas aux malades que du... mais on ne donne aux malades que du café noir au lieu de quelque chose de nourrissant. Mais ce doit n'être... Pardon. Mais ce doit n'être qu'une bagatelle par comparaison avec les bienfaits du temps retardé. Je me dévêtis lentement et me glissai dans le lit de mon père. Il ne se réveilla pas, mais son ronflement, visiblement trop haut, descendit d'une octave en renonçant à sa déclamation altière. Il redevint un ronflement privé, strictement individuel, je serrai les dredons autour de mon père pour le protéger du courant d'air et m'endormis bientôt à ses côtés. 2. Quand je m'éveillai, la chambre était dans la pénombre. Mon père, déjà habillé, était à table et buvait du thé en y trempant des biscottes sucrées. Il portait un costume noir de drap anglais qui paraissait encore neuf et qu'il s'était fait l'été passé. Son nœud de cravate était un peu relâché. Voyant que je ne dormais plus, il me dit avec un sourire qui éclairait son visage pâli par la maladie. J'ai été joliment content de ta venue, Joseph. Quelle surprise. Je me sens si seul ici. Bien sûr, on ne peut pas se plaindre dans ma situation j'en ai vu de pire, et si je voulais faire un bilan. Mais peu importe. Imagine toi que le premier jour on m'avait servi un magnifique filet de bœuf aux champignons. C'était une viande terrible. Je t'avertis formellement pour le cas où l'on voudrait te servir un autre filet de bœuf. J'en ai encore le ventre brûlant, et diarrhée sur diarrhée. Je ne savais pas comment m'en tirer. Mais je dois t'annoncer une nouvelle, continua t-il. Ne ris pas, j'ai loué ici un local à usage de boutique. Parfaitement, et je me félicite de cette idée. Vois tu, je m'ennuyais joliment. Tu ne peux pas t'imaginer l'ennui qui règne ici. Comme ça, j'ai au moins une occupation qui me fait plaisir. Mais ne va pas non plus te figurer quelque chose de magnifique. Non, l'endroit est bien plus modeste que notre ancien magasin. C'est une baraque, en comparaison. Chez nous, en ville, j'aurais honte d'un tel déla... déballage mais ici, où nous avons dû tellement rabattre de nos prétentions. N'est ce pas, Joseph? Il sourit amèrement. Enfin, on vit tant bien que mal. Ces mots me firent de la peine. J'étais gêné pour mon père, qui s'était aperçu qu'il avait employé un terme peu indiqué. Je vois que tu as sommeil? reprit il après un moment. Dors encore un peu, et après tu viendras me retrouver à la boutique. D'accord? Il faut que je me dépêche d'aller voir comment vont les affaires. Tu ne peux pas savoir quel mal j'ai eu à obtenir du crédit, quelle méfiance on éprouve ici à l'endroit de vieux commerçants qui ont pourtant un passé sérieux. Tu te rappelles le magasin de l'opticien sur le marché? Notre boutique est juste à côté. Il n'y a pas encore d'enseigne, mais de toute façon tu ne peux pas te tromper. Allez vous, so allez -vous sortir sans manteau? demandai je inquiet. On a oublié de l'emballer. Imagine-toi, je ne l'ai pas trouvé dans mon coffre, mais je n'en ai aucun besoin. Ce climat tempéré, cette atmosphère. Prenez le mien, insistai-je. Prenez-le, je vous en prie. Mais il mettait déjà son chapeau. Il me fit un geste d'adieu et s'échappa de la pièce. Non, je n'avais plus sommeil. Je me sentais bien reposé et plein d'appétit. C'est avec plaisir que je me rappelais le buffet garni de gâteaux. Je m'habillais en me demandant quel choix j'allais opérer parmi toutes ces bonnes choses je donnerais la priorité à un chausson aux pommes, sans oublier d'excellents biscuits aux écorces d'orange que j'avais également remarqués. Je me plaçais devant la glace pour nouer ma cravate, mais sa surface, comme celle d'un miroir concave, ne reflétait pas mon image, cachée quelque part en ses profondeurs troubles. J'essayai en vain de reculer ou d'avancer, pour régler la distance. Cette brume argentée et mouvante ne laissait échapper aucun reflet. Il faut que je demande une autre glace, me dis je en sortant. Il faisait tout à fait sombre dans le corridor. L'impression de silence solennel était encore accrue par l'éclat bleuâtre d'un quinquet qui brûlait faiblement à un tournant. Dans ce labyrinthe de portes, de niches et de recoins, je ne me rappelais pas bien où se trouvait l'entrée du restaurant. Je vais aller en ville, décidai-je enfin, décidai -je soudain. Je mangerai quelque part. Je trouverai bien une bonne pâtisserie. À peine avais-je franchi la grande porte que je sentis souffler un air à la fois lourd, doux et humide caractéristique de cet étrange climat. Le gris habituel de l'atmosphère s'était encore assombri, c'était comme si l'on avait perçu le jour à travers un crêpe de deuil. Je ne pouvais pas me je ne pouvais me lasser de contempler le paysage composé comme un nocturne, avec le noir fondant velouté, les parties les plus sombres et la gamme des grimates cendrées qui se répandaient en notes étouffées. Dans ces replis profonds, l'air m'effleurait le visage d'une bâche molle, il avait la douceur un peu fade d'une eau de pluie stagnante et de nouveau ce bruit des forêts obscures qui revient sur lui-même ces accords profonds qui troublent les espaces au-delà de la limite d'audibilité Je me trouvais dans la cour derrière le sanatorium J'observais les hauts murs de l'aile arrière du bâtiment principal bâti en arc de cercle toutes les fenêtres étaient closes de volets noirs Le sanatorium dormait profondément Je passai près d'un portail au grillage de fer forgé à côté se trouvait une niche de dimensions extraordinaires, vide. Bientôt le bois sombre m'absorba. Je marchai à tâtons dans ces ténèbres sur un tapis d'aiguilles de pin. Quand il fit un peu moins sombre, je vis se dessiner entre les arbres des contours d'habitations. Quelques pas suffirent pour m'amener au milieu d'une vaste place. Quelle étrange analogie avec le marché de notre ville natale, comme tous les marchés du monde au fond se ressemblent. Ce sont presque les mêmes maisons, les mêmes boutiques. Les trottoirs étaient déserts. D'un ciel grisâtre descendait une aube misérable et tardive, hors du temps. Je déchiffrais aisément les enseignes et les affiches, mais je n'aurais pas été surpris si l'on m'avait dit que nous étions en pleine nuit. Seules quelques boutiques y étaient ouvertes. Les autres avaient leurs rideaux de fer à demi baissés et on les fermait en hâte. Un air vif et puissant, riche et plein, absorbait par endroits une partie de la scène et effaçait comme une éponge humide quelques maisons, un réverbère, un morceau d'enseigne. Il était parfois difficile de soulever les paupières que rendait pesante la somnolence. Je me mis à chercher la boutique de l'opticien que mon père avait mentionné. Il en avait parlé comme si j'étais au courant des faits locaux. Ne savait-il pas que je venais ici pour la première fois Ses idées devaient s'embrouiller. Mais que pouvait-on attendre d'un père qui n'était qu'à moitié réel et vivait d'une vie si relative, limitée par tant de restrictions Il fallait, pourquoi le dissimuler, beaucoup de bonne volonté pour lui reconnaître une sorte d'existence. C'était un pitoyable succès d'années de vie dû à l'indulgence générale, à ce consensus universel d'où il puisait sa motivation problématique. Il était évident que cette triste apparence ne pouvait se maintenir dans la réalité que si tous s'entendaient pour fermer les yeux sur les déficiences choquantes et manifestes de cette situation. La plus légère opposition pouvait la faire chanceler le moindre souffle de scepticisme la renverser à terre. Le sanatorium du docteur Gothard, Pouvait-il, dans son atmosphère de serre, lui assurer cette tolérance bienveillante, la protéger des vents froids d'une critique rationnelle On pouvait à bon droit s'étonner que mon père, dans cette situation toujours menacée, pût encore faire si bonne figure. Je me réjouis à la vue d'une pâtisserie dont la devanture était pleine de babas et de tartes. Mon appétit se ranima. J'ouvris une porte vitrée qui portait l'inscription glace et pénétrai dans un local obscur. Cela sentait le café et la vanille. Des profondeurs du magasin sortit une jeune fille dont la pénombre effaçait le visage. Elle prit la commande. Je pouvais enfin, après une si longue attente, me rassasier de délicieux beignets que je trempais dans mon café. Dans le noir, entouré par les tourbillons du crépuscule et absorbant gâteau sur gâteau, je sentais cette ombre dansante s'introduire sous mes paupières et s'emparer furtivement de moi par des pulsations tièdes, par un fourmillement d'attouchements délicats. À la fin, il n'y eut plus que le rectangle de la fenêtre pour apparaître, tache grisâtre dans la complète obscurité. C'est en vain que je frappais de ma cuillère sur la table pour appeler. Personne ne venait se faire régler les consommations. Finalement, je laissai une pièce d'argent et ressortis dans la rue. La librairie voisine était encore éclairée. Les employés triaient des livres. Je leur demandais où était la boutique de mon père. C'est juste la seconde maison après nous, m'expliquèrent-ils. Un garçon empressé a couru même pour me montrer. La porte d'entrée était vitrée. La devanture n'était pas encore prête, prête, et du papier gris la recouvrait. Dès l'abord, je m'aperçus avec surprise que la boutique était pleine d'acheteurs. Mon père se tenait derrière le comptoir et, tout en mouillant sans arrêt la mine de son crayon, faisait les additions d'une longue commande. Penché sur le comptoir, l'homme pour qui cette note était préparée suivait de l'index chaque chiffre nouveau et comptait à mi-voix. Les autres regardaient en silence. Mon père me jeta un coup d'œil par dessus ses lunettes, et me dit en gardant le doigt sur l'article où il s'était arrêté. Il y a une lettre pour toi, elle est sur le bureau au milieu des papiers. Après quoi il se replongea dans ses calculs. Cependant les employés enlevaient les marchandises vendues, les enveloppaient et les ficelaient. Il n'y avait de tissu que sur une partie des rayons dont la majorité était encore vide. Pourquoi ne vous asseyez vous pas? demandai je à mon père en m'avançant jusqu'à lui. Vous ne prenez aucun soin de vous alors que vous êtes si malade. Il eut un geste de défense comme s'il voulait éloigner mes arguments et n'interrompit pas ses comptes. Il semblait en très mauvais état. Il n'était que trop clair que seule une excitation artificielle, une activité fébrile soutenait ses forces et reculait l'instant de son effondrement définitif. J'allais voir sur le bureau. On aurait dit plutôt un paquet qu'une lettre. Quelques jours auparavant, j'avais écrit à une librairie pour un certain ouvrage pornographique. Et voilà qu'on me l'envoyait ici. On avait déjà trouvé mon adresse, ou plutôt celle de mon père, qui, pourtant, venait à peine d'ouvrir boutique sans enseigne et sans annonce. Quel remarquable service de renseignement. Quelle organisation digne des plus grands éloges. Et cette surprenante rapidité. Tu peux lire à ton aise dans l'arrière boutique, dit alors mon père en me lançant un regard mécontent. Tu vois bien qu'ici il n'y a pas de place. L'arrière boutique était encore vide. Un peu de lumière y tombait par la porte vitrée. Au mur pendaient les manteaux des commis. J'ouvris la lettre et me mis à la lire sous la faible lueur qui venait de la boutique. On me communiquait que le livre demandé ne se trouvait malheureusement pas dans les stocks. On avait entrepris des recherches, mais sans préjuger du résultat. La firme se permettait de m'adresser en attendant, sans engagement de ma part, un certain article qui, pensait on, pouvait m'intéresser. Suivait la description compliquée d'une lunette astronomique pliante, douée d'un fort pouvoir grossissant et de multiples qualités. Intrigué, je sortis de son emballage cet instrument fait d'une sorte de toile cirée noire, rigide, pliée en accordéon. J'ai toujours eu un faible pour les télescopes. J'entrepris de déployer la paroi de l'appareil, plusieurs fois repliée sur elle-même. Je vis se développer sous ma main un énorme soufflet tendu par de fines baguettes et, étirant sa capote vide sur toute la largeur de la pièce, Labyrinthe de sombres cellules, longue série de chambres obscures qui s'emboîtaient l'une dans l'autre. L'ensemble évoquait une longue voiture de toile laquée, une sorte d'accessoire de théâtre essayant d'imiter la massivité du réel par son matériel de papier et de tri. Je collai mon œil à l'extrémité noire de la lunette et aperçus dans le fond, à peine distincte, la façade arrière du sanatorium. Plein de curiosité, je m'enfonçai davantage dans la chambre de l'appareil. Je pouvais maintenant suivre dans l'objectif la femme de chambre qui marchait, un plateau à la main dans la pénombre du couloir. Elle se retourna et sourit. Me voit elle? me demandai je. Une invincible somnolence recouvrait mes yeux d'une brume. J'étais assis dans la chambre arrière de la lunette exactement comme dans une auto. Un léger mouvement de levier, et l'appareil frémit comme un papillon de papier battant des ailes. Je sentis qu'il se mettait en mouvement et m'entraînait vers la porte. Comme une grosse chenille noire, la lunette partit vers la pièce éclairée, tronc articulé, énorme cancrelat de papier qui avait à l'avant deux imitations de phare. Les acheteurs reculèrent en désordre devant ce dragon aveugle, les commis ouvrirent en grand la porte donnant sur la rue, et je m'en allai ainsi, lentement, dans cette voiture de papier entre deux rangées de gens qui, suivaient d'un regard indigné, ce départ vraiment scandaleux. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de la nouvelle Le Sanatorium au Croque-Mort, qu'on poursuivra et terminera dans quelques minutes. Nous passons à la pause, les amis. Alors, l'écoute-porte qui nous dit J'adore quand on trafique le temps dans les récits. Et décidément, il a un attrait pour les boutiques. Ouais, j'avoue, il aime bien les boutiques. Hein. On retrouve quand même euh, des ouais des images des figures etc qui sont constamment là encore une fois l'image du père cette fois-ci qui est qui est encore plus que jamais euh, importante prépondérante et impactante pour l'histoire mais ouais c'est vrai qu'il y a aussi euh, les boutiques qu'on retrouve souvent il y a aussi le, le livre mais le livre euh, au sens très large parce que ça peut être autant de des magazines etc etc ou ici le livre pornographique mais euh, ouais il y a, il y a des hum... Il y a des images comme ça, il y a des, des domaines, des... comment dire, des... des éléments précis sur lesquels j'ai l'impression Schultz a une sorte d'obstination, d'obsession presque. Euh, alors, juste parce que ça m'intéresse de voir exactement... Je veux voir ce que veut dire sanatorium. Bon bah voilà, bah j'ai bien fait de chercher parce qu'en vrai, je, je, ne, je ne connaissais pas le terme. Je pensais pas que ça voulait dire ça exactement. Euh, donc un sanatorium, c'est un truc très 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 très. Euh, très très précis, en fait. Un sanatorium, c'est une maison de santé où l'on traite les tuberculeux pulmonaires. Ok. Ok, ok. Ah mince. Ah ouais, mais il y a plusieurs... Euh... Il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, définitions du sanatorium. Alors, le sanatorium, ça peut être ce que je viens de dire, ou ça peut être pour, euh, pour la Russie du temps de l'Union soviétique, ça peut être une résidence de villégiature pour les travailleurs. Hmm. Alors, je crois que Bruno Schulz, si je dis pas de bêtises, était polonais. Ou en tout cas, euh, si... Euh, D'une région qui aujourd'hui serait la Pologne, quoi. Euh, je crois qu'il était polonais. En vrai, j'ai du mal à choisir entre les deux. Si je crois au fait qu'il est malade. Mais en même temps... Enfin, ah, attendez. Je recherche des infos parce que ça m'énerve de pas comprendre. La villégiature est un séjour à la campagne pendant la belle saison. Donc est-ce que ça peut correspondre En vrai les deux sont assez proches et les deux peuvent correspondre, mais pour le côté euh, mourant, malade, etc., je pars plutôt sur le fait euh, tuberculose pulmonaire du coup. Ou ce serait plutôt un, un lieu de soins, de guérison, je pense. Euh, ok. Et du coup, voilà, je, je dois avouer que cette nouvelle, pour le moment, je pense qu'elle est en train de... Se hisser dans le top de mes préférés. Parce que je trouve que l'ambiance change radicalement. Euh, là, pour le coup, on est vraiment sur euh, une histoire euh, assez, euh, assez détaillée, assez décrite. Enfin voilà, on arrive vraiment à suivre les étapes de l'histoire. Ce qui est peut-être pas toujours le cas chez Schultz. Mais avec une ambiance assez différente, mais très forte, très très forte. Une ambiance beaucoup plus sombre, beaucoup plus pesante. Alors euh, ça a été édulcoré de ci de là de quelques éléments et voilà, c'est devenu sur la fin un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, ouais, coloré. Mais euh, mais c'est vrai que euh, ça a été beaucoup sur les teintes de gris, les teintes de de noir, euh, le taciturne, le, le pesant, le lourd. Euh, même dans les images, il y a des choses très très fortes. Le fait que bah, de parler à des médecins, etc., ça peut avoir aussi le côté angoissant, etc. Euh, le côté euh, ici, personne ne parle, il y a un silence de mort, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et, euh, et tout le monde dort tout le temps, et, et, etc., etc. Il et n'y a pas de nuit, il euh, n'y a que des jours et tout le monde dort tout le jour. Enfin c'est très particulier. Euh, je trouve que l'ambiance change drastiquement de ce qu'on a déjà pu lire de Schultz, en tout cas sur ce recueil. Et, euh, et j'aime beaucoup beaucoup. Euh, et je pense que ça transparaît d'un fait simple. Je pense que ça transparaît euh, du, du fait que, euh, voilà ça c'est un élément autobiographique de la part de l'auteur si j'ai bien vu tout ce que j'ai vu sur internet mais il me semble bien. Euh, qu'il avait une sorte de fascination, une sorte d'adoration pour son père, et c'est pour ça qu'il a comme thème récurrent le thème du père, et qu'il parle très souvent du père dans tout un tas de nouvelles, on l'avait déjà vu aussi lors de la lecture du recueil de nouvelles Les boutiques de cannelle. Euh, et donc voilà, euh, là, c'est le père mourant, euh, et du coup, euh, c'est, je ne sais pas si c'est une situation qu'il a vécue. Euh, qu'il a vécu euh, lui dans, dans sa vie, ou si c'est une projection, un travail d'imagination, mais en tout cas, on sent que lui, en tout cas son narrateur, mais en vrai, lui en tant qu'auteur aussi, je pense, est complètement paniqué par ça, euh, qu'il est complètement marqué euh, négativement, et que euh, bah, si, enfin, euh, ouais, la, la mort de son père, la mort de son héros, ça serait, euh, ça serait euh, complètement euh, traumatisant, complètement. Euh, complètement. Euh, comment on dit euh, Paralysant pour lui, terrifiant, quoi. Il y a, y a un côté comme ça. Euh... Ouais. Électri. Euh... Enfin, non, pas électrisant. Je trouve plus le terme que je voulais employer, mais. Euh... Fascinant, quoi. C'est quelque chose qui le préoccupe. Et on le sent bien. Et ouais, je trouve que le ton a radicalement changé, mais il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette ambiance qui est décrite. C'est très sympathique. Et du coup, j'ai envie de voir la site et de voir comment ça va s'arranger. Ou, ne pas s'arranger, mais se poursuivre. Donc ouais, je suis curieux. C'est l'ambiance du château de Kafka, pour le coup. Ah, je sais pas. Je dirais que c'est un peu différent, encore. Je trouve ça encore un peu différent, moi, perso. Dans le sens où Kafka, c'est la froideur de l'administratif, etc. Enfin, ouais, si, je comprends un peu ce que tu veux dire aussi, mais... Il y, y a des choses qui peuvent se, se recouper, c'est sûr. Dans le côté taciturne, tout ça, tout ça. Mais je dirais que c'est pas le même... Euh, je dirais que c'est pas le même glauque. Je dirais que c'est pas le même taciturne. Je dirais que c'est pas la même... Euh, voilà, là, chez Kafka, c'est vraiment... Euh, le poids sur les épaules de... Euh, du monde du travail, euh, de la société, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment juste euh, le poids de... De l'ambiance et... Euh, de l'ambiance de mort en fait hein, et de la perte potentielle de son père quoi mais sinon c'est vrai que euh, encore une fois j'ai trouvé ça très euh, poétique et très euh, très joli en fait l'image justement euh, avec euh, les variations de temps comme tu disais tout à l'heure les trafics de temps euh, j'ai ai beaucoup aimé ça parce qu'encore une fois ça a amené très subtilement encore une fois là le, le fantastique le merveilleux s'invite très naturellement dans le quotidien, dans le lambda, dans le concret. Euh, et ça donne des envolées euh, éthérées super belles. Et euh, cette histoire de temps, où euh, le père serait déjà mort ailleurs, mais ici, le temps, on le récupère pour pouvoir lui permettre de voir d'autres possibilités, ainsi de suite. Enfin bref, euh, j'ai trouvé ça ultra poétique et en fait ultra touchant, parce que justement, tu sens, encore une fois, que... C'est comme si l'auteur, confronté à l'idée de la mort de son père, qui lui est tellement insupportable, euh, essayait de, de transcender ça et de surpasser ça en trouvant une solution littéraire. Euh, C'est comme si l'auteur, par son récit, par son narrateur et par sa sa petite pirouette, euh, voilà, euh, magique en, en somme. Euh, c'est comme si ouais c'est comme en fait je trouve ça touchant je trouve ça émouvant parce que c'est genre son son moyen de sauver son père euh, son moyen aussi peut-être d'éviter de, de penser à, à la mort quoi c'est un peu c'est un peu le euh, non regarde je, je ferai tout je trouverai tous les moyens pour euh, pour pas que tu meurs et pour pas avoir souffrir ta, ta mort et et on va te sauver en changeant le temps et ainsi de suite enfin je trouve ça très beau, je trouve ça très touchant pour le coup. Donc ouais, pour le moment, je suis bien dans l'ambiance. Je vous propose d'y replonger sans plus attendre, parce que bon, je parle, je parle, mais le temps défile. Et je te souhaite une bonne écoute, encore une fois, l'écoute aux portes. Une bonne, une bonne écoute pour la dernière fois de ce soir à tous ceux qui me regardent dans l'ombre de Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis, à dans quelques minutes. Pour la fin du live. 3. C'est ainsi qu'on vit dans cette ville et que le temps passe. La plus grande partie de la journée est employée à dormir et pas seulement dans un lit. Nul n'est difficile sur ce point. À chaque endroit et à chaque moment, on est toujours prêt à s'accorder un petit somme, la tête appuyée sur la table au restaurant, ou en fiacre, ou même debout, dans le vestibule d'une maison quelconque l'on est entré un moment pour céder à un irrépressible besoin de sommeil. Au réveil, encore troublés et chancelants, nous reprenons la conversation interrompue, poursuivons notre route pénible, continuons une affaire embrouillée sans commencement ni fin. Ainsi disparaissent, on ne sait où, chemin faisant, de larges intervalles de temps. Nous perdons notre contrôle sur la continuité de la journée, et cessons finalement de tenir à elle. Nous abandonnons, sans regret, le squelette d'une chronologie ininterrompue que l'usage et la sévère discipline quotidienne nous avaient habitués à surveiller avec attention. Il y a longtemps que nous avons sacrifié ce constant empressement à rendre compte du temps écoulé, et cette manie scrupuleuse de comptabiliser toutes les heures dépensées qui sont l'ambition et la fierté de notre économie. Ces vertus cardinales, qui ne connaissaient jamais ni hésitation ni manquement, il y a longtemps que nous y avons renoncé. Quelques exemples peuvent illustrer cette situation. À un moment quelconque du jour ou de la nuit, de faibles nuances dans la couleur du ciel permettent à peine de faire la différence, je m'éveille près de la balustrade du petit pont qui mène au sanatorium. C'est le crépuscule. J'ai dû, accablé de sommeil, errer longtemps sans conscience dans la ville avant de me traîner jusqu'ici mortellement fatigué. Je ne puis dire si j'avais à mes côtés pendant tout ce trajet le docteur Gothard qui se trouve maintenant près de moi et énonce les ultimes conclusions d'un long raisonnement. Emporté par son éloquence, il me saisit même par le bras et m'entraîne. Je le suis et, avant même d'avoir passé la passerelle aux planches sonores, je dors à nouveau. À travers mes paupières closes, je vois de façon confuse la gesticulation persuasive du docteur qui sourit dans sa barbe noire, et je m'efforce en vain de comprendre cet argument capital, cet atout décisif qui couronne sa démonstration et dont il triomphe en s'arrêtant, les mains tendues. Je ne sais pendant combien de temps nous marchons encore côte à côte plongé dans un entretien plein de malentendus, quand soudain je reprends tous mes esprits. Le docteur Gothard a disparu, et il fait noir, mais c'est seulement parce que j'ai les yeux fermés. Je les ouvre, et je me retrouve au lit, dans ma chambre, où je suis rentré je ne sais comment. Un exemple encore plus frappant. Au moment du repas, j'entre dans un restaurant en ville, plein de désordre et de bruit de voix confus. Et qui aperçois je, au milieu de la salle, à une table pliant sous le poids des victuailles? Mon père. Tous les regards sont tournés vers lui qui, brillant, exceptionnellement animé, aux anges, s'incline de tous côtés avec affectation, menant une conversation prolixe avec l'assistance entière. Avec une ardeur artificielle que je ne puis considérer sans inquiétude, il ne cesse de commander de nouveaux plats qui s'accumulent sur la table. Il se complète à les rassembler ainsi autour de lui, quoiqu'il n'ait encore pu venir à bout du premier. Faisant claquer sa langue, mâchant et parlant en même temps, il marque par ses gestes, par toute sa mimique, le plus vif contentement de ce festin, et suit d'un oeil ravi Adam, le garçon auquel, avec un sourire attendri, il lance sans arrêt de nouvelles commandes. Et lorsque le garçon court les transmettre en agitant sa serviette, mon père en appelle à tous d'un geste implorant, et prend tout le monde à témoin du charme irréfutable de ce Ganymède. Il est inestimable, s'écrie t-il en clignant des yeux avec un sourire bienheureux. Un ange. Avouez, messieurs, qu'il est charmant. Je me retire, plein de dégoût, sans qu'il m'ait remarqué. Il n'aurait pas pu se conduire de façon plus provocante et ostentatoire, s'il avait été mis là par la direction de l'hôtel comme agent de publicité. La tête obscurcie par le sommeil, je titube dans les rues en essayant de rentrer. Je m'arrête à une boîte aux lettres, appuie sur elle ma tête et pique un petit somme. Enfin, je trouve à tâtons dans l'obscurité l'entrée du sanatorium où je pénètre. Ma chambre est dans le noir. Je presse l'interrupteur, mais l'électricité ne marche pas. Un courant d'air froid souffle de la fenêtre, le lit grince dans les ténèbres. Mon père lève la tête et dit, "Oh Joseph, Joseph, voilà deux jours que je suis couché ici sans aucun soin. Les sonnettes sont débranchées. Personne ne vient me voir, et mon propre fils m'abandonne. Moi qui suis gravement malade pour aller traîner en ville avec les filles, sans comme mon cœur bat. Comment concilier les deux choses? Mon père était-il assis au restaurant?" cédant à une goinfrie malsaine ou couché dans sa chambre dans laquelle une grave maladie le retient? Où y a t-il deux pères? Il, de Il n'en est rien. La cause de tout est cette rapide dislocation du temps qui n'est plus sévèrement surveillée. Nous savons tous que cet élément indiscipliné n'est maintenant, n'est maintenu tant bien que mal dans la bonne voie que grâce à des soins incessants, à une sollicitude compréhensive, à un redressement vigilant de ses écarts. Privé de cette tutelle, il se montre aussitôt enclin à des infractions, à des aberrations étranges, à des farces imprévisibles, à des bouffonneries difformes. Je sens de plus en plus nettement l'incompatibilité de nos temps individuels. Le temps de mon père et le mien ne coïncident plus. Soit dit entre parenthèses, le reproche de mœurs dissolues que m'a adressé mon père est une insinuation dépourvue de fondement. Je n'ai encore approché ici aucune jeune fille. Chancelant comme dans l'ivresse, de sommeil en sommeil, je fais à peine attention au beau sexe dans mes moments de sang-froid. D'ailleurs, la constante pénombre des rues ne permet même pas de bien distinguer les visages. Tout ce que j'ai pu remarquer en tant que jeune homme ayant tout de même pour ce domaine un certain intérêt, c'est l'allure particulière de ces demoiselles. C'est une démarche inexorablement rectiligne, qui ne tient compte d'aucun obstacle, et n'obéit qu'à un certain rythme intérieur, à une certaine loi qu'elles dévident au fil de leurs petits trot en droite ligne, plein de précision et de grâce mesurée chacune porte en elle sa règle individuelle, tendue comme un ressort. Quand elles vont ainsi tout droit, sérieuses et concentrées, on dirait qu'elles sont pénétrées d'un seul souci, celui de ne rien perdre de cette règle sévère et de ne pas s'en écarter d'un millimètre. Il apparaît alors clairement que ce qu'elles portent en elles avec une telle attention recueillie n'est autre chose qu'une certaine idée fixe de leur propre perfection, dont la force de leur foi fait presque une réalité. C'est une anticipation qu'elles assument à leur risque, sans aucune garantie, c'est un dogme intangible contre lequel le doute n'a pas de prise, quelles fautes et lacunes quels nez en pied de marmite ou aplati, quels boutons et taches elles peuvent ainsi faire passer bravement sous le masque de cette fiction. Il n'y a pas de laideur ni de vulgarité que l'élan de cette foi ne puisse entraîner vers une perfection fictive grâce à une telle foi leur corps embellit de façon manifeste et les jambes réellement bien faites et souples. Le pied moulé dans des souliers irréprochables explique dans le monologue fluide et scintillant de leur démarche la richesse de l'idée que le visage fermé taisait par orgueil. Elles tiennent les mains dans les poches de leurs courtes jaquettes bien serrées. Au café, au théâtre, elles croisent leurs jambes qui se découvrent jusqu'aux genoux et dont le silence est éloquent. Voilà en passant une des particularités de la ville. J'ai déjà parlé de la sombre végétation. On peut notamment signaler une sorte de fougère noire, dont d'énormes gerbes en des flacons. Ornent ici chaque appartement et chaque lieu public. C'est presque un symbole de deuil, l'emblème funèbre de la ville. 4. La vie au sanatorium devient de plus en plus insupportable. On ne saurait nier que nous sommes tout simplement tombés dans un piège. Passé le moment de mon arrivée, où l'on a déployé devant le nouveau venu les apparences d'une certaine hospitalité, la direction ne s'est plus donné la moindre peine pour nous laisser ne fût-ce que l'illusion de soins. Nous sommes proprement abandonnés à nous-mêmes. Personne ne se soucie de nos besoins. J'ai constaté depuis longtemps que les fils des. que les fils des sonneries électriques s'arrêtent net au-dessus de la porte et ne sont reliés à rien. On ne voit pas de serviteurs. Les couloirs sont de jour comme de nuit, obscurs et silencieux. Je suis persuadé que nous sommes les seuls hôtes de ce sana, et que la mine discrète de la femme de chambre quand elle pousse une porte en entrant ou sortant n'est qu'une mystification. J'aimerais parfois ouvrir moi-même largement les portes de toutes les pièces et les laisser ainsi afin de démasquer l'intrigue malhonnête dont nous sommes victimes. Pourtant, je ne suis pas entièrement sûr de mes soupçons. Il m'arrive tard dans la nuit d'apercevoir le docteur Gothard en blouse blanche et une seringue à la main qui se hâte dans le corridor précédé par la femme de chambre. Il m'est difficile en ces circonstances de l'arrêter et de le mettre au pied du mur. S'il n'y avait le restaurant et la pâtisserie en ville, on pourrait bien mourir de faim. Malgré mes prières... « Je n'ai pu obtenir jusqu'ici un second lit. »« Il est impossible de faire changer les draps. »« Il faut avouer que le relâchement général ne nous a pas épargné non plus. »« Entrer au lit tout habillé et chaussé a toujours été à mes yeux impensable pour un homme civilisé. »« Mais maintenant je rentre tard, ivre de sommeil. »« La chambre est plongée dans la pénombre et un souffle froid gonfle les rideaux à la fenêtre. »« Alors je me jette en aveugle sur le lit et m'enfuis dans les couvertures. »« Je dors ainsi pendant une durée indéfinie. » des jours entiers peut-être des semaines, voyageant par les vides paysages du songe, toujours en route sur les pentes de la respiration, tantôt descendant d'un pas élastique d'une légère éminence, tantôt gravissant avec effort le mur vertical du ronflement. Parvenu au sommet, j'embrasse du regard l'immense horizon de ce désert rocheux. À un certain moment dans l'inconnu, à un tournant brusque de ronflement, je m'éveille à demi conscient et sens à mes pieds le corps de mon père. Il dort roulé en boule, menu comme un petit chat. Je me rendors, la bouche ouverte, et un immense panorama de montagne glisse à mes côtés en ondes majestueuses. Dans sa boutique, mon père déploie une vive activité, mène à bien des transactions, mobilise toute son éloquence pour convaincre les clients. L'animation rossit ses joues et fait briller ses yeux. Au sana, il reste couché, gravement malade, tout comme à la maison au cours des dernières semaines. Il ne faut pas se dissimuler qu'il approche de la fin. Il me dit d'une voix affaiblie. Tu devrais venir plus souvent au magasin, Joseph. Les commis nous volent. Tu vois bien que je ne peux pas suffire à la tâche. Voilà des semaines que je suis cloué au lit. Les affaires marchent au hasard et rien ne se fait. Il n'y a pas eu de lettres de la maison Je commence à regretter toute cette aventure. On ne peut pas dire que nous ayons eu une idée heureuse en envoyant ici mon père, abusé que nous fûmes par une publicité bruyante. Le temps retardé. Cela sonne bien, mais à quoi cela correspond-il en réalité le temps que l'on trouve ici est-il honnête et valable est-ce un temps tout juste dévidé de l'écheveau avec une odeur de nouveauté et de couleur fraîche non tout au contraire c'est un temps abîmé usé par autrui élimé diaphane percé de trous comme un tamis rien d'étonnant à cela il s'agit en quelque sorte d'un temps dégorgé qu'on me comprenne bien d'un temps qui a déjà servi triste chose et toutes ces manipulations inconvenantes, ces connivences perverses, cette manière de surprendre son mécanisme par derrière, cette prestidigitation dangereuse jouant avec les secrets intimes du temps. On aurait parfois envie de frapper un coup de poing sur la table et de crier à plein gosier Assez Ne touchez pas autant Vous n'avez pas le droit de le provoquer N'avez-vous pas assez avec l'espace L'espace est à l'homme. Vous pouvez à volonté vous y ébattre, y cabrioler, vous y rouler, sauter d'astre en astre. Mais pour l'amour du ciel, ne touchez pas autant D'un autre côté, on demandé que je rompe de moi-même le contrat conclu avec le docteur gothard quelle que puisse être cette misérable existence de mon père à tout le moins je le vois je suis avec lui je lui parle en fait le docteur mérite de ma part une reconnaissance infinie j'ai voulu à plusieurs reprises m'entretenir franchement avec lui mais il est insaisissable par exemple la femme de chambre m'annonce qu'il vient justement de partir pour la salle de restaurant comme je vais dans cette direction elle court après moi pour me dire qu'elle s'est trompée et qu'il est dans la salle d'opération. Je me hâte de monter les escaliers, tout en me demandant quelles opérations on peut bien faire. Je pénètre dans une antichambre, et on me prie d'attendre. Le docteur Gothard va tout de suite sortir. Il a fini et se lave les mains. Je l'entrevois, petit dans sa blouse qui flotte. Il marche à grands pas et parcourt en hâte les salles de l'hôpital. Mais qu'apprends je presque aussitôt? Le docteur Gothard n'était pas du tout à cet endroit, où l'on n'a pas fait d'opération depuis des années. Il dort dans sa chambre, la barbe au vent. Ces ronflements remplissent la pièce comme des nuées qui s'enflent, s'accumulent et soulèvent dans leur tourbillon le docteur et son lit, toujours plus haut. Pathétique ascension sur ces ondes ronfolantes et sur les vagues de la literie déployée. Il se passe ici des choses encore plus étonnantes, que j'essaie de ne pas voir, des choses d'une absurdité fantastique. Chaque fois que je sors de la chambre, il me semble que quelqu'un s'éloigne rapidement de la porte et disparaît dans un corridor. Ou bien quelqu'un marche devant moi sans se retourner. Ce n'est pas une infirmière. Je sais qui c'est. Maman. Criai je d'une voix tremblante d'émotion. Elle tourne la tête et me regarde alors avec un sourire implorant. Où suis je donc? Que se passe t-il? En quel piège me suis je empêtré? 5. Je ne sais si c'est à cause de la saison avancée, mais les jours prennent des couleurs de plus en plus graves, plus sombres, plus obscures. C'est comme si l'on regardait le monde avec des lunettes noires. Le paysage d'encre pâle évoque le fond d'un immense aquarium. Arbres, hommes et maisons se fondent en silhouettes noires qui ondulent comme des plantes sous-marines dans cet abîme assombri. Aux environs du sanatorium, c'est un grouillement de chiens noirs. De toutes formes et de toutes tailles, collés au sol, ils parcourent au crépuscule chemins et sentiers, accaparés par leurs affaires de chiens, muets, concentrés et attentifs. Ils passent par groupes de deux ou trois, le cou tendu. Les oreilles en pointe, avec de petits glapissements plaintifs qui s'échappent de leur gorge et indiquent une extrême agitation. Absorbés et hâtifs, toujours en route, toujours tendus vers un but incompréhensible, ils font à peine attention aux passants. Parfois, cependant, ils roulent les yeux vers eux en courant et ce regard en biais, noir et intelligent, laisse percer une rage que seul freine le manque de temps. Il leur arrive même de céder à leur méchanceté et de se précipiter sur vos jambes, la tête baissée avec un grondement de mauvais augure mais c'est pour s'arrêter à mi-chemin, et repartir en courant à grands bonds. On ne peut venir à bout de ce fléau. Mais pourquoi diable la direction du sana conserve t-elle un énorme chien loup, affreuse bête enchaînée, véritable monstre de sauvagerie? Je frissonne quand je dois passer près de sa niche, et je vois et le vois à côté, immobile au bout de sa courte chaîne, avec ses longs poils hérissés en collier, ses moustaches, son pelage et sa barbe, sa gueule puissante pleine de crocs. Il n'aboie jamais. Mais sa face sauvage devient encore plus terrible à la vue d'un être humain. Ses traits durcis prennent une expression de fureur indicible, et relevant un peu sa terrible gueule, il se lance convulsé dans un hurlement bas et ardent qui émane du plus profond de sa haine et où transparaît le désespoir de l'impuissance. Mon père passe avec indifférence près de cette bête féroce quand nous sortons ensemble du Sanat. Quant à moi, je suis chaque fois bouleversé par cette effrayante manifestation de haine impuissante. Je dépasse maintenant de deux têtes mon père, qui, petit et maigre, marche à mes côtés de son pas trottinant de vieillard. Comme nous approchons du marché, nous voyons un mouvement inhabituel. Des masses de gens parcourent les rues. Il nous revient des nouvelles invraisemblables sur l'entrée d'une armée ennemie dans la ville. Dans la consternation générale, la foule se communique des informations alarmantes et contradictoires. C'est peu compréhensible. Une guerre non précédée de démarches diplomatiques? Une guerre interrompant une paix bienheureuse qui ne troublait aucun profit? Une guerre contre qui et pourquoi? On nous explique que cette invasion ennemie a encouragé ici le parti des mécontents qui sont descendus dans la rue, en armes, et terrorisent les paisibles citoyens. De fait, nous apercevons un groupe de ces insurgés qui, vêtus de noir avec des lanières blanches croisées sur la poitrine, s'avancent en silence, les fusils prêts à tirer. La foule recule devant eux en se serrant sur les trottoirs, tandis qu'ils lui lancent de dessous leurs chapeaux hauts de forme des regards sombres et ironiques, dans lesquels apparaissent le sentiment de leur supériorité. Un éclair de joie maligne et une sorte de clin d'œil entendu, comme s'il retenait, retenait un éclat de rire qui démasquerait toute la mystification. Certains d'entre eux sont reconnus par la foule, mais ces exclamations joyeuses expirent devant la menace des canons qui s'abaissent. Ils nous dépassent sans avoir interpellé qui que ce soit. À nouveau, les rues se remplissent d'une foule inquiète, silencieuse et morne. Un murmure confus parcourt la ville enfiévrée. Il semble qu'on entende de loin un fracas d'artillerie et le roulement des caissons. Il faut absolument que j'arrive à la boutique, dit mon père, pâle mais décidé. Tu n'as pas besoin de venir avec moi, ajoute t-il, tu ne feras que me gêner. Rentre plutôt au sanatorium. La voix de la lâcheté me fait obéir. Je vois mon père se frayer un chemin dans la foule compacte et je le perds de vue. Par de petites ruelles, je me faufile vers la ville haute, me rendant compte que ce chemin escarpé me permettra de contourner le centre bloqué par une masse humaine. Là-haut, dans cette partie de la ville, la foule est moins nombreuse et finit par disparaître. J'avance tranquillement par des rues désertes en direction du parc municipal. Les réverbères y brûlent d'une flamme sombre et, sombre et bleuâtre comme de funèbres asphodèles. Autour de chacun d'eux danse une nuée de hannetons lourds, comme des balles de fusil, qui volent de biais, les ailes vibrantes. Certains, tombés à terre, Traînent maladroitement sur le sable leur dos rebondi, carapace durcie sous laquelle ils tentent de replier les membranes délicates de leurs ailes étalées. Par les sentiers et les gazons se promènent des passants plongés dans des conversations insouciantes. Les derniers arbres se penchent sur le cours des maisons qui se trouvent en contrebas, appuyées à la muraille du parc. Je me promène le long de cette muraille qui ne m'arrive qu'à la poitrine, mais qui de l'autre côté tombe jusqu'au niveau des arrières-cours en escarpement de la hauteur d'un étage. À un certain endroit, une rampe de terre battue traversait les cours et rejoignait la muraille. Je franchis facilement une barrière et, empruntant cette digue étroite qui passe entre les blocs d'immeubles, me retrouve dans la rue. Mes calculs qui s'appuient sur un heureux sens de l'orientation se révèlent exacts. Je suis presque à la hauteur du sanatorium dont l'arrière apparaît, dans sa blancheur indécise, sur un fond d'arbres sombres. J'entre comme d'habitude par la cour de derrière, franchis par la grande porte la clôture métallique, et aperçois de loin, de loin, le chien à son poste. Comme toujours, un frisson d'aversion me secoue à ce spectacle. Je veux dépasser le chien au plus vite pour ne plus entendre son gémissement haineux sorti du fond de son être, quand, plein d'effroi et en croyant à peine mes yeux, je le vois s'élancer loin de sa niche et courir pour me couper la retraite en jetant un aboiement sourd qui semble sortir d'un tombeau. Pétrifié, je me recule vers le coin le plus éloigné de la cour, et cherchant instinctivement un abri, je me réfugie sous une petite tonnelle, conscient d'ailleurs de la vanité de mes efforts. La bête velue s'approche en bondissant, sa gueule apparaît à l'entrée de la tonnelle, et je suis pris au piège. Plus fort que vif, je remarque qu'il a déployé toute la longueur de sa chaîne, qu'il traînait derrière lui, et qu'ainsi la tonnelle est hors de la portée de ses crocs. Mal en point, accablé de terreur, j'ai peine à en ressentir quelques soulagements. Chancelant et sur le point de m'évanouir, j'essaie de le regarder. Je ne l'ai jamais vu de si près, et c'est alors que les écailles me tombent des yeux. Quelle puissance ont la prévention, la suggestion de l'effroi Quel aveuglement C'est un être humain. Un être humain enchaîné, que dans une approximation simpliste, j'ai pris je ne sais comment pour un chien. Que l'on me comprenne bien. C'était un chien sans doute, mais sous forme humaine. Ce qui constitue la nature canine est une donnée intérieure qui, extérieurement, peut revêtir une enveloppe aussi bien humaine qu'animale. Celui qui se tient devant moi dans l'ouverture de la tonnelle, retroussant les babines et montrant les dents en un grondement terrible, est un homme de taille moyenne, très brun. Dans sa face jaune et osseuse, des yeux noirs, méchants et malheureux. À en juger par son vêtement sombre, sa barbe bien taillée, on pourrait le prendre pour un intellectuel, pour un savant, un frère aîné du docteur Gothard qui aurait mal tourné. Mais cette première apparence est trompeuse. Vite dénoncé par les grosses mains salies de col, par deux sillons brutaux de chaque côté du nez qui se perdent dans la barbe, par des rides horizontales et assez vulgaires sur le front bas. C'est plutôt un relieur, un homme braillard, orateur de meeting et activiste violent, bourré de passions explosives. Et c'est là justement, dans cette morsure des passions, dans ce hérissement convulsif, dans cette furie démente aboyant avec rage contre le bout du bâton, c'est là qu'il est chien à 100%. Si je sautais par-dessus la barrière du fond, me dis-je, je serais tout à fait hors de sa portée, et je pourrais revenir par un petit sentier vers l'entrée du sana. J'étais en train d'enjamber la rampe, mais je m'arrête soudain, sentant qu'il serait trop cruel de partir ainsi et de l'abandonner à sa rage sans borne. Je m'imagine sa terrible déception, sa douleur inhumaine, s'il me voyait sortir du piège et m'éloigner pour toujours. Je reste là. Je m'approche de lui et déclare d'une voix tranquille naturelle. Calmez vous, je vais vous détacher. À ces mots, son visage convulsé de soubresauts, vibrant de grondement, se décontracte et s'apaise, et il en émerge une face presque complètement humaine. Je vais à lui sans crainte et défais son collier. Nous marchons maintenant côte à côte. Le relieur, le relieur porte un complet noir convenable, mais à les pieds nus. J'essaie d'engager la conversation. De sa bouche ne sort qu'un bredouillement inintelligible. Mais dans ses yeux noirs, éloquents, je lis un attachement enthousiaste qui m'enlève toute crainte. Il trébuche parfois sur un caillou. Ou sur une motte de terre. Sous l'effet du choc, son visage se défait, se décompose, laissant paraître un, laissant paraître un effroi prêt à bondir, et derrière celui-ci la rage. Une rage qui, d'un moment à l'autre, peut refaire de cette face un nœud de vipère. Alors je le rappelle à l'ordre par un rude avertissement, en camarade. Je vais même jusqu'à lui taper dans le dos. Et l'on voit parfois s'ébaucher sur, sur sa figure un sourire étonné, soupçonneux, doutant de lui-même. Oh comme cette terrible amitié me pèse, comme cette sympathie singulière m'effraie. Comment me débarrasser de cet être qui marche à mes côtés et colle à mon visage son regard dans toute l'ardeur de son âme canine? Cependant je ne saurais trahir mon impatience. Je sors mon portefeuille et déclare d'un ton objectif. Vous avez sans doute besoin d'argent? Je vous en prêterai volontiers. Mais, à cette vue, il prend un air si terriblement sauvage que je rentre mon portefeuille au plus vite. Pendant un long moment, à nouveau, il ne peut se calmer, ni maîtriser ses traits qu'un hurlement convulse. Non, je ne peux supporter cela plus longtemps. Tout plutôt que cela. De toute façon, les choses se sont tellement embrouillées qu'il n'y a plus d'issue. La lueur d'un incendie s'élève au-dessus de la ville. Mon père au milieu de la révolution, dans sa boutique en flammes. Le docteur Gotha, hors d'atteinte, et de surcroît, l'inconcevable apparition de ma mère incognito, chargée d'une mission mystérieuse. Ce sont les maillons d'une vaste intrigue incompréhensible. Noué autour de ma personne. Fuir. Fuir d'ici. N'importe où. Rejeter cette horrible amitié, ce relieur qui pue le chien et qui ne me quitte pas des yeux. Nous sommes devant l'entrée du sanatorium. Voulez-vous me faire le plaisir de venir chez moi dis-je avec un geste aimable. Les attitudes de civilité le fascinent et endorment sa sauvagerie. Je le fais entrer le premier dans ma chambre et le fais asseoir sur une chaise. Je vais chercher du cognac au restaurant, dis-je. Il se dresse d'un bond, plein de frayeur, pour m'accompagner. Je le rassure avec douceur et fermeté. Vous allez rester assis et attendre tranquillement, dis je d'une voix profonde et vibrante, au fond de laquelle gît une peur secrète. Il se rassied avec un sourire incertain. Je sors et avance lentement dans le corridor, puis, dans le couloir du bas, je franchis l'entrée, je traverse la cour, je claque derrière moi la petite porte métallique, et je me mets à courir, à perdre haleine, le cœur battant, les tempes en feu, à courir dans la sombre allée qui mène à la gare. Dans ma tête se pressent des images toutes plus effrayantes les unes que les autres. L'inquiétude du monstre, son effroi, son désespoir quand il comprendra que je l'ai trompé. Le regain de sa fureur, son explosion de rage incoercible. Le retour au sana de mon père qui frappe à la porte sans se douter de rien et se trouve nez à nez avec la bête féroce. C'est une chance que mon père ne soit plus vraiment vivant, me dis je avec soulagement, et que tout cela ne puisse plus guère l'atteindre. J'aperçois juste devant moi une file sombre de wagons prêts à, à partir. Je monte dans l'un d'eux, et le train, comme s'il n'attendait que cela, se met en marche avec douceur, sans siffler. Par la fenêtre apparaît une fois encore, et glisse lentement l'énorme assiette de l'horizon, emplie de forêts sombres et sonores au milieu desquelles se détache la blancheur du sanatorium, Adieu, père. Adieu, ville que je ne reverrai plus. Depuis lors, je roule. J'ai élu domicile en quelque sorte sur la voie ferrée, où l'on me tolère et où gère de wagon en wagon. Les voitures, larges comme des pièces d'habitation, sont pleines de paille et de déchets. Des courants d'air les traversent de part en part au long des jours sans couleur. Mes vêtements déchirés sont tombés en lambeaux. On m'a donné un uniforme usé de cheminots, j'ai la figure entourée d'un chiffon à cause d'une joue enflée. Je reste assis dans la paille et je rêve, et quand j'ai faim, je vais dans le couloir devant les compartiments de seconde et je chante. Alors, on jette des pièces de monnaie dans ma casquette, dans ma casquette noire de cheminot, dont la visière se détache. Et c'est la fin de la nouvelle Le Sanatorium au Croque-Mort. Cette fois-ci, c'était une traduction de Georges Cidre. Ce sera donc la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro, chers amis. Voilà. Là là là. Pour le coup, cette nouvelle, elle est incroyable. C'est vrai qu'en fait, je te rejoins un petit peu, les couteaux porte. C'est vrai qu'il y, y a un petit aspect euh, le château de Kafka, par moment. Mais euh, ça, ça trouve vraiment aussi son originalité, je trouve. Ça trouve vraiment aussi sa, sa patte. Euh, ouais, putain, wow. franchement elle est trop bien cette nouvelle, elle est trop trop bien. Elle a une ambiance, elle a une ambiance incroyable en fait. Elle te prend et la succession, enfin, c'est un genre de film d'horreur mais... Comment dire D'horreur euh, psychologique quoi, d'horreur euh, funeste, enfin euh, comment dire, comment expliquer ça c'est le, le carnaval des horreurs, quoi. C'est la suite de, de tout un tas d'événements tristes, pesants, déprimants. Et euh, je, je trouve ça très cinématographique, la manière dont sont décrites toutes les scènes. Et euh, ouais, je trouve que ça ferait un putain de bon film. Un putain de bon film, voire même un, un putain de bon scénario de jeu de rôle, à un petit peu bizarre, avec une ambiance vraiment glauque et chelou, mais. Je sais pas, je trouve que ça passerait trop trop bien. Euh, je vois bien même le film en noir et blanc avec beaucoup de gris du coup. Enfin, euh, ouais, il y, y a quelque chose qui passe super bien. Je, je trouve cette nouvelle euh, incroyable. Les images, les évocations sont folles. Ça s'enchaîne, ça a pas forcément de. En fait, ça a pas forcément de logique, mais ça a une cohérence. Et. Euh... Et ouais, c'est incroyable, je trouve. C'est oppressant, nous dit l'écoute aux portes. Ouais, c'est clair, c'est oppressant. Et à la fois, à plein d'instants, t'as l'impression il bah, y a de la lumière, t'as l'impression qu'il pourrait s'échapper comme il voudrait, etc. Et pourtant, ouais, non, il, il est dans ce piège, etc. Enfin, je, quand lui-même commence à dire j'ai été amené dans un piège, etc., etc., je trouve ça hyper intéressant. Et le fait qu'il reste et qu'il y ait ce truc vachement. Euh, en fait, vachement vicieux, euh, qui je pense a été vécu par tous les enfants, adolescents euh, depuis la nuit des temps. Euh, ce truc où euh, tu t'endors à n'importe quel moment, tu te réveilles à n'importe quel moment, et t'es en mode putain c'est trop cool, putain c'est trop cool, putain c'est trop cool. Et les années passant, tu te rends compte qu'en fait c'est pas vraiment trop cool, <laughs> et que euh, et c'est un peu un piège où tu te mets dans un rythme qui n'en est pas un, et qui fait que du coup t'es plus ou moins endormi tout le temps. Et que du coup t'entres dans une sorte de léthargie constante où t'es un peu fatigué tout le temps, où t'es jamais vraiment en forme tout le temps. Donc euh, c'est, en fait, euh, ouais, vraiment c'est, il y a tellement d'éléments et de symbolisme aussi, je trouve, d'images, mais de symbolisme même dans cette nouvelle qui sont hyper intéressantes euh, de, ouais, de décrépitude, de de tomber dans un état comme ça. Et puis du coup bah à la fin le, le fait que le chien soit un élément, au contraire, là où il y a plein d'éléments très, euh, très lents, qui prennent leur temps, qui les embourbent petit à petit dans un, dans un mauvais mood, dans une mauvaise ambiance, etc. Et à la fin, que ce soit euh, complètement dynamité par une guerre qui arrive soudainement, et par le chien qui est un élément hyper... Euh, Hyper menaçant, etc. Le fait que le chien soit en fait un homme et qu'il s'en fasse un ami, mais qu'à la fois il en a peur et ainsi de suite. Enfin, je sais pas, je trouve qu'en termes de symbolisme, c'est putain de puissant. Il y a, y a plein de trucs hyper intéressants et, et le fait que, bah voilà, ils doivent se. C'est comme si, euh, entre guillemets, la vie l'avait rappelé, quoi. C'est comme si la vie l'avait rappelé et qu'il était en mode. Euh, qu'il avait fait son deuil, quoi. Qu'il était en mode. Bon, là, c'est mon interprétation, hein, encore une fois, je répète que tout ce que je dis dans les pauses et dans les outros. Ce sont juste mes ressentis, mes interprétations, j'ai pas forcément raison. D'ailleurs, n'hésitez pas à, à dire vous et à commenter euh, cette lecture, dire si ça vous a plu, dire si vous avez votre version euh, dans les commentaires de la vidéo YouTube ou, ou dans le chat de Twitch, il a pas de souci. Et puis n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo et à vous abonner. Tout y quanti, vous connaissez les bails, bref. Mais ouais, je trouve ça ultra intéressant. Euh, c Moi, j'y vois un peu le, le délire d'avoir vaincu le deuil, quoi d'être allé chercher son père euh, dans des endroits impossibles avec des moyens impossibles de modification du temps etc etc et s'être rendu compte qu'en fait euh, il pouvait pas se laisser euh, il pouvait pas se laisser à croire se laisser aller à croire qu'il euh, allait pouvoir sauver son père et qu'il fallait passer à autre chose qu'il fallait poursuivre sa vie entre guillemets quoi je sais pas il y a un truc que je trouve très touchant très émouvant et très beau symboliquement je trouve ça incroyable cette nouvelle. Je l'adore. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette nouvelle en vrai, parce que je la trouve incroyable. Il y a une phrase que j'ai trouvée mais touchante à un point incroyable. Euh, je sais pas si je vais savoir la retrouver, par contre ça fait chier. Euh... Attendez, j'essaie de la retrouver vite fait. En plus, c'est pas simple parce que là j'ai juste envie à mort de pisser. <laughs> Donc du coup, il euh, faut que j'abrège le live, mais. Euh... Le temps de mon père et le mien ne coïncident plus. <laughs> Pff, ce, ce, ce paragraphe, je l'ai trouvé magnifique. Nous savons tous que cet élément indiscipliné n'est maintenu tant bien que mal dans la bonne voie que grâce à des soins incessants, à une sollicitude compréhensive, à un redressement vigilant de ses écarts. Privé de cette tutelle, il se montre aussitôt enclin à des infractions, à des aberrations étranges, à des farces imprévisibles, à des bouffonneries difformes. Je sens de plus en plus nettement l'incompatibilité de nos temps individuels. Le temps de mon père et le mien ne coïncident plus. Ah. Et ce symbolisme, encore une fois, qui n'est pas de père, mais qu'il ait vu son père à la fois au bar et à la fois dans la chambre, enfin, pour justement justifier que voilà. Leur temps n'est plus le même, et que, ouais, il faut se séparer maintenant, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est incroyable. Je trouve cette nouvelle incroyable. Je la trouve hyper émouvante, en fait, quand on y pense. Autant elle a une ambiance lourde, sombre, noire, très. très marquante, et très intéressante, et très belle. Autant, euh, étrangement, je dirais que le maître mot de la nouvelle, c'est l'émotion. C'est hyper émouvant, je trouve. Je trouve ça magnifique. Bref, j'ai beaucoup apprécié, vous l'aurez compris. Euh, je pense vraiment que le sanatorium au croque-mort, la nouvelle, pas le recueil, euh, se classe parmi ce que je préfère de Bruno Schultz. C'est vraiment stylé. C'est vraiment très stylé. Et enfin, euh, ouais, encore une fois, ce truc de parler du temps et tout, ça, moi ça me parle de ouf. Ça me parle de ouf parce qu'il y a un discours là-dessus et justement, euh, il a eu plusieurs positions. Au fur et à mesure des pages, c'est ça qui est intéressant aussi, mais c'est vrai que moi ça me parle beaucoup parce que c'est un truc aussi euh, que je vis. Euh, bah, je le disais en début de live, c'était mon anniversaire hier, et euh, ça va faire con parce que je suis jeune, mais plus je vieillis, <laughs> genre vraiment le, typiquement le genre de phrase de, de, de débile, mais bon bref. Enfin uh, de débile. j'ai Non, bref. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Euh, je voulais dire euh, deux phrases de vieux, mais vieux et débile, c'est pas synonyme. Bref, <laughs> mais euh, mais euh, mais ouais, du coup, plus je vieillis et plus j'ai une relation au temps qui change et qui se urge. Et fâchez je sais pas. La relation au temps, je trouve ça hyper intéressant. Et, et en fait, euh, selon le moment où tu en es dans ta vie, tu peux avoir d'un seul coup une angoisse gigantesque à te dire. Putain, mais en fait, on a tellement peu de temps, il faut tellement en profiter, il faut tellement faire plein de choses, etc., etc. Et puis à contrario, moi, je sais que par exemple, je je trouve qu'il faut pas être victime du temps entre guillemets, il faut pas être soumis au temps, parce que si tu es soumis au temps, euh, si tu t'inquiètes constamment du temps qui passe, etc., etc., bah tu profites pas des choses vraiment, je trouve. Tu les savours pas vraiment. Enfin, il y a, y a tout un tas de choses comme ça. Le, le lien autant temps, la relation au temps, c'est un truc qui, je pense, est en constant, en constant combat dans l'esprit humain, entre guillemets. Et, euh, et du coup, je trouve ça hyper intéressant qu'il en ait parlé et que lui-même ait changé d'avis que tantôt ils sont en mode Ah oh, c'est cool, on peut dormir et faire n'importe quoi et les heures s'effacent, après tout à quoi bon les montres et tout, ça sert à rien, ça c'est nous qui avons plaqué ça là-dessus, euh, ça nous prive de certaines libertés et tout et tout. Et puis que quelques pages plus tard ils sont en mode je suis tombé dans un piège, euh, faut que je parte, etc. Et en fait ils parlent toujours du temps quelque part. Donc je trouve ça, ça vraiment stylé. Je trouve qu'il y a un vrai discours. En fait c'est ça qui est fou c'est que je trouve qu'il y a un vrai discours, je trouve qu'elle est complète cette nouvelle. Là où Schultz, en général fait de la très belle, mu de la très belle musique, j'allais dire, de la très belle poésie, mais qu'il n'y a pas toujours euh, un scénario très construit, une histoire très compréhensible, etc. Et c'est pas grave. Hein. Euh, je dis pas que c'est un point faible, mais je dis qu'en général c'est pas quelque chose qu'on trouve ou pas trop, voilà, pas trop abouti, on va dire. Là, je trouve qu'il y a vraiment de tout dans cette nouvelle. Je trouve qu'elle est vraiment complète. Il y a à la fois le côté poésie, évocation, images, etc. Magnifique. Il y a à la fois avec les symboles et enfin ouais c'est les métaphores je trouve ça génial. Il y a à la fois le côté histoire qui se suit vachement bien avec tous les éléments fantastiques, l'ambiance etc etc et il y a à la fois un discours un vrai discours sur euh, bah, le temps etc enfin ouais c'est il y a de tout dans cette nouvelle je trouve ça hyper cool. Je suis trop je suis trop dedans. Euh, bloqué dans cette vie restreinte, j'y voyais le respect des conventions alors que lui nouvelle génération voulait passer à autre chose. Le passage au restaurant, j'arrive pas à expliquer. Euh, alors là j'avoue que je ne vois pas de quoi tu parles, écoute au porte, désolé, je comprends pas trop. C'est difficile pour moi euh, en juste lisant le chat euh, de forcément savoir de quoi vous parlez. Et du coup, bah merci, euh, merci pour le joyeux anniversaire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, écoutez les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être répondre à l'écoute aux portes si, euh, si euh, voilà, si tu réponds, euh, je te répondrai. Euh, quitte à te répondre à l'écrit parce que je vais peut-être balancer quand même la fin du live fast. Et puis, euh, et puis écoutez, bah, bah, merci de m'avoir suivi. Euh, merci à ceux qui sont passés. Petit Poulpe dissident, Jérôme légendaire. L'écoute aux portes. Merci pour le follow Wolverine également. C'est avec lol MDR, euh, et du coup, je vais certainement vous envoyer en raid chez Aude à la joie Bon, après, euh, il <laughs> a que toi et moi les couteaux bord, je crois, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pour la forme, c'est pour le geste, le beau geste. Euh, bah, du coup, euh, le, le programme euh, des semaines, à, à, de la semaine à et demie qu'il reste de live, euh, je voulais déjà répéter maintes et maintes fois, donc je vais pas tout répéter. Je vous rappelle juste que pour cette fin de semaine. Euh, demain, 21h, ça me rappelle une histoire. Thème écriture. Dimanche, 15h, live de découverte sur l'univers de League of Legends, le dernier de la saison. Et puis la semaine prochaine, lecture on termine le sanatorium en croque-mort. Première session de jeu de rôle. Et euh, lundi 21, dernier live de l'année avec un mini-concert acoustique. Voilà, ça devrait être à peu près ça. Je voyais un parallèle vie dans ce sanatorium. Vie qui est coincée dans des conventions. Ah! Bloqué dans cette vie restreinte, j'ai voyé le respect des conventions alors que lui, nouvelle génération, voulait passer à autre chose. Ah Mais justement, ça que j'aime bien avec cette nouvelle, je trouve, c'est qu'il y a plein d'interprétations possibles aussi et que les interprétations sont mouvantes parce que même le narrateur vit les choses constamment différemment au fur et à mesure de la nouvelle. Donc, ouais, c'est très cool. J'ai beaucoup aimé. Enfin, bref, je te souhaite également une bonne nuit, l'écoute aux portes. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Euh, on est vendredi, donc bon week-end à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de découverte, ou une prochaine part. Une prochaine découverte. Pas partie de découverte, c'est terrible. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!